Like this.
It's all about humanity. Try to
choppers, choppers. Better cut those wrists, cold blood in my fists. We fire starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Now what? Never could pass. Look at my eyes, I'm on the rise. Rise.
To clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption. I stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. So
save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
s'il n'est pas là, tant pis pour lui. C'est la règle, non? C'est la règle, on va pas faire attendre tout le monde. C'est ça. Gaëtan, tu voulais faire le briefing, c'est pour ça que t'es venu? Bah, c'est toi qui m'as demandé de venir, donc je suis venu. je l'ai lu, je valide. C'est Gaëtan, je l'ai lu. Non mais après de toute façon je vais suivre le live, mais oui. je suis pas bien loin. Après de quoi? Tu cours pas? Ah non, j'ai l'initiative. Ah ok, dommage. C'est au bout d'un quart d'heure, je suis obligé de me lever, donc c'est un peu con. Bon allez, c'est bon, vous êtes en live pour le briefing. Ok, il nous reste 8 minutes avant le qualif. Gaëtan, je te laisse la parole, j'y vais. Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Bon, déjà, merci à tous d'être venus. Je sais qu'il fait chaud chez certains, c'est courageux de venir. Donc, on est là pour l'avant-dernière course du championnat. Finale la semaine prochaine. Donc, mêmes instructions que les dernières courses. On part tranquille, surtout sur la deuxième course. Grille inversée toujours, mais bon, à 11, ça devrait le faire. Ah, on a Guillaume qui nous rejoint. Bon. Salut Guillaume. Désolé, je suis un peu en retard. Non, pas de soucis. Il est de la chance. Je vous ai commencé. Donc voilà, circuit compliqué avec la chicane. Faites bien attention à ne pas vous faire disqualifier. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Il n'y a pas de format comme sur le Bugatti. On est uniquement deux jours aujourd'hui. C'est à peu près tout. Les gars, vous avez quelque chose à rajouter? Non. Bon. Ouais, savoir combien de litres à peu près pour la course. Ouais, mais ça. Ouais, ah, toute façon. À la fin de la course. Ouais. 120. Ah, 120 litres. Ouais, au taquet. De toute façon, l'essence sur un format d'une heure, il est le même à peu près sur tous les circuits. Hein. Je ne t'ajoute pas à grand chose. Hein. Surtout la chicane, pour ceux qui connaissent notre tracé, c'est à droite. Normalement, tout le monde est censé s'être entraîné normalement, donc ça devrait le faire, un minimum. Ouais. Après 3 semaines sans course, il peut y avoir du relâchement. Oui. Un gros panneau quand même, tu sais, un bon gros panneau. C'est vrai qu'il manque, parce que moi aussi j'ai fait 5 tours avant de comprendre qu'est-ce que je faisais chaud. Ah, mais je suis pas plus bête quand même, les Assyriens. on est tous partis tout droit. Ok, ça marche. Bon, tout est clair, pas d'autres questions? Non. Ok, ça marche. Bon courage. Hein, juste pour information, la semaine prochaine, on n'oublie pas que c'est une course de 2 heures. La semaine prochaine? Donc là, par... Oui. Oui, c'est la finale la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Donc c'est une course de 2 heures. Ouais, et les points sont doublés du coup. Enfin, comme si on faisait 2 courses d'une heure, quoi. Voilà. Ok. On s'est coupé vos micros. Ouais, okay. Coupez bien tout le micro niveau logiciel. Ouais. Allez, bonne course tout le monde. Allez, merci, bonne course. Allez, bonne course à toi aussi. Allez, ciao. Salut. Bon courage, messieurs. Bonsoir à toutes et à toutes. Vous avez entendu le briefing, on nous a demandé de couper notre micro, on a décidé de pas le couper, hein, qu'est-ce qu'on pense à meurtre. Moi, je l'ai coupé le mien. J'entends, je t'entends. Donc du coup... deux courses de 1 heure sur le Castellet. On est toujours en France, hein, pour cette avant-dernière manche. Hein, pour les coordonnées géographiques, hein, 43 degrés nord, 5 degrés est. Et nous sommes dans le sud-est de la France. Nous sommes pas loin de la Méditerranée, sur un circuit tout bleu comme la plage. Et on a perdu Hammer. Oui, je suis en train de faire des réglages, du coup, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas... stream, du coup je suis en train de me remettre dedans en fait. Oui, hein, pendant 3 semaines nous étions pas là, hein. J'espère qu'on vous a manqué. Un salut Team 3D FFSR, hein. Comment vas-tu? Donc voilà, ça y est, ça commence à s'enjailler dans les stands. Le son du jeu est revenu. Hop. Il y a beaucoup de pleurs sur ce circuit par contre, hein, d'après ce que j'ai remarqué. Faire attention, hein, les pleux oranges sont massifs. Hein. Après les gilets jaunes, nous avons les pleux oranges qui sont en train de faire grève sur le circuit. Ah oui, les pleux carrément. Ah bah, je sais pas si t'as vu, mais il y a des pleux partout. Hein. Ça rigole pas. Hein. Alors voilà, je fais ça. Alors on doit switcher en fait entre les vibreurs et les pleux en fait.
C'est un circuit d'obstacles, si tu préfères. Salut Gaëtan qui est dans... Ah, apparemment on m'entend à peine. Ah, on t'entend à peine. C'est quoi qui est plus fort, le son du jeu, ma voix ou... Ou sa voix est trop faible? Alors attends, je vais t'augmenter. Vas-y, parle. Je parle. Et je vois des voitures qui tournent sur un circuit. Circuit qui est en sens horaire, si je ne m'abuse. Nous sommes toujours en France. Les voitures viennent à peine de sortir de leur nid. Elles observent un peu le terrain avant de partir en chasse. Là, on est sur la voiture, pour ma part, sur la voiture de Damien Roux, qui est en train de faire son tour de sortie et qui est en train de prendre un peu ses marques sur ce circuit du Castellet. Hein. 43 degrés nord, 5 degrés est. La météo est plutôt calme, hein, quelques nuages, 25 degrés. Et apparemment, ma voix est trop faible. Alors, je suis en train de l'augmenter, du coup. Vas-y, parle pour voir. Alors, la météo est plutôt calme. Hein. On va rester sur le même format. Il ne va pas y avoir de surprise au niveau des horaires et de la nuit qui tombe. Les pneus devraient donc du coup rester à peu près à équivalence d'usure entre les deux courses. Nous aurons une petite brise de vent venant de l'est, de la montagne, par le Mistral. C'est bon, normalement ça devrait être pas mal. Le problème c'est que là du coup je t'ai mis vraiment tout au max, ça sature à mort. Pourtant, c'est bizarre. Qui sature à mort. On attend qu'elle sature. Bah là en fait t'as des pics de saturation, je peux pas mettre plus fort parce que je suis au max de tous les boutons en fait. Apparemment d'après les gens c'est parfait. Ouais, et du coup, au niveau du son du jeu, du coup, parce que je l'ai pas mal réduit aussi. Parfait, merci. C'est ce qui est écrit. Ok, d'accord. Donc du coup, comme on disait, hein, nous avons un vent venant du sud de la Tramontane avec une petite brise venant de Mistral, hein, venant de la Méditerranée. Donc du coup, pas trop de nuages pour aujourd'hui, ça ne devrait pas bouger. Voilà, je vous laisse avec Hélène Devia pour le JT. Donc oui, ça fait plaisir de se retrouver hein, donc pour l'avant-dernière manche de ce championnat. De ce championnat de France qui se conclura la semaine prochaine, le 28, aux mêmes horaires, mais cette fois-ci pour une course de 2 heures. Et donc aujourd'hui, on est toujours pour sur le même... Torture pour les pilotes interminables de 2 heures, déjà qu'une heure. Il y en a qui sont en position latérale de sécurité. Alors là, ils vont être, je pense, en tête à queue. Ah bah là ça va être compliqué la petite tendue de 2 heures et c'est vrai que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. La gestion des pneus qui va piquer un peu je pense parce que du coup on voit déjà sur certaines courses là d'une heure que les pilotes ont déjà du mal à jouer avec un train de pneus sur une heure. Oui. Alors sur 2 heures il peut y avoir deux possibilités, soit ils vont changer et faire une stratégie en un seul train de pneus. Cependant de ce qu'on a vu du championnat, je pense qu'il y en a qui vont se faire avoir et qui vont devoir passer deux fois au stand pour changer les pneus. Je le sens gros comme une maison. Parce qu'il y en a qui vont peut-être pas faire le rapprochement quand on sera sur une course de 2 heures. Et donc, du coup, une course de 2 heures dit qu'il faut encore plus faire de la gestion de pneus. Et là, ça risquerait d'être compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Ça me paraît compliqué avec cette voiture de ne pas changer de pneus, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, apparemment, on nous dit que c'est surtout les températures des freins qui vont être compliquées sur Manicourt. Mais les freins et les pneus, de toute façon, après, ça va de pair. Hein. Oui, de toute façon, ça va de pair. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué, surtout que je pense que le classement sera assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les courses de ce championnat. À mon avis, il y a pas mal des pilotes qui sont assez agressifs. Je pense par exemple à Mathieu Schneider, qui se bagarre souvent avec Anton Mapton et... Et je sais plus qui étaient les autres. On a entendu tout à l'heure pendant le briefing qu'il aimait bien tondre la pelouse. Oui, tout à fait. Avec Simon Bourguin. Ah, Simon Bourguin, oui. En fait, Hampton va être très triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de pelouse, il y a beaucoup de bleu. Mais voilà, donc c'est des pilotes c'est des pilotes qui, on l'a vu dès le début des courses, souvent sont directs en confrontation. Et bien souvent, pendant toute la durée de la course, ils vont se battre. Et c'est vrai que c'est eux qui vont souffrir au niveau des pneus. Et donc je pense que sur une course de 2 heures. Ça risque d'être compliqué pour eux sur la gestion des pneus et l'agressivité quoi. À mon avis, ils ont plutôt, de mon avis personnel, il y aura plutôt intérêt sur cette première moitié de course d'y aller tranquille et de vraiment limite quitte à faire un changement 3/4 course ou un truc comme ça et là en bombarder quoi. Il faudra voir. Une heure, une heure de course, c'est un format on va dire standard dans beaucoup de championnats. Là, une heure de course avec une voiture capricieuse, c'est pas évident. 2 heures avec une voiture capricieuse, on devient un peu sur, entre guillemets, une endurance.
ça va commencer à être chaud. Bah, 2 heures, ça veut dire qu'on part avec une voiture très lourde et qu'on finit avec une voiture très légère. Ça dépend de la stratégie d'arrêt au stand. Ça dépend de la stratégie d'arrêt au stand, mais quoi qu'il arrive, à moins de faire 4 arrêts, ta voiture va changer quasiment du tout au tout. Parce que même sur une course d'une heure, ta voiture a changé énormément déjà. Après, je sais que normalement, ils partent pas avec le plein sur les courses là. Sur celle-là ? Sur celle d'aujourd'hui, par exemple ? Sur celle-là, apparemment, ils partent pas avec le plein. Bah, sur une course d'une heure, je pense pas. Mais sur une course de 2 heures, à mon avis, on doit pas en être très loin du plein. Et suivant la stratégie... En tout cas, je pense que sur 2 heures, à mon avis, quasiment tous les pilotes vont s'arrêter au moins, remettre du gasoil ou repartir avec le... C'est sûr. Ou mais avec je des pense nouveaux que pneus, quoi. Beaucoup vont s'arrêter 2 fois. Oui. Par contre, là où ça risque d'être intéressant, c'est au niveau de l'arrêt au stand pour les réparations. S'il y a de la casse, ça peut être moins grave de repartir au stand et réparer que sur une course d'une heure. Puisque du coup, la prise de risque est beaucoup plus grande pour la majorité des pilotes. Du coup, si tu dois réparer ton aérodynamisme ou ta direction et que tu perds 30 secondes, il y a de fortes chances que les autres pilotes qui sont devant ou derrière toi aient également, à un moment donné dans la course, besoin de s'arrêter pour faire des réparations également. C'est sûr. Là, on vient nous informer que 2 heures, le plein suffit pas. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le calcul, hein, parce que du coup, je l'ai pas fait, mais j'ai entièrement confiance en toi, Gaëtan. Et le truc, c'est qu'en fait, même si le plein ne suffit pas, on n'est pas obligé de faire de mettre le plein pour faire la course, parce qu'on peut faire 2 fois. Oui, tout à fait. Après, c'est un pari particulier de partir avec le plein et puis de finir avec plus léger, parce qu'en fait, selon les entraînements, en fait, il faut savoir que quand on règle une voiture pour une course, on le règle avec la moitié du carburant qu'on va mettre sur la voiture, pour être à peu près à 50% du comportement de la voiture. Si on fait une stratégie de « je pars avec le plein, je finis avec un quart du plein », ça peut être une stratégie risquée, parce qu'on peut avoir une voiture très changeante, comme tu le disais. Donc du coup, voiture très changeante, très usée par la première étape du plein, et donc du coup une voiture potentiellement joueuse, voire potentiellement dangereuse. Mais tu vois, par exemple, ce que nous dit Gaëtan, c'est effectivement un plein, c'est environ 1h15 voire 1h30 max, en fonction si tu l'économises bien. Là on est sur une course d'une heure, hein. Donc en vrai 1h15 pour un plein, ça veut dire que la voiture elle est presque au plein là déjà, si tu t'arrêtes pas. 3/4. Ouais. Après ça dépend vraiment du rythme que tu mets. Et de la manière dont tu attaques aussi. Ah oui, tout à fait. Du coup, je vous propose, parce qu'en fait, on n'a pas pu faire de tour embarqué pour cette course, d'aller faire un tour embarqué avec... Ludovic est en... Il est en route, Ludo. Ouais. Tu peux y aller. Je vais me mettre sur lui, et on va aller faire un tour embarqué avec Ludovic Ferrui pour découvrir le circuit. L'actuel leader du championnat. Voilà, exactement. Ah, bah il est revenu au stand. On verra pendant les qualifs à la limite. On pourra essayer de retenter un tour embarqué avec lui sur les qualifs, au pire. Au moins, on est sûr qu'il ira au bout. Hop. Alors, on va faire un tour des pilotes de ce soir, du coup. Donc, en tête, on a actuellement Ludovic Ferrui. Fais-toi plaisir. On a actuellement Ludovic Ferrui. En seconde place, on a Rémi Gruson. Brigonnet Philippe en troisième place. Alors Rémi Gruson, pardon, voilà. Donc Rémi Gruson, Brigonnet Philippe en troisième place, Damien Roux en seconde place. Je suis fatigué ce soir, désolé. En quatrième place, Damien Roux, pardon. Guillaume Masse en cinquième place, Mathieu Schneider en sixième place, Sébastien Pourré en septième place, huitième place, Steve Chedeville, Loïc Chitre en neuvième place, Simon Bourguin, 10e place. Et 11e place, Alexandre Ducourneau. Et, pardon, excusez-moi, on a un 12e pilote, Anton Mapton, du coup, mais qui est actuellement au stand.
Donc, Mystery Machine est en train de faire la vidange. Et donc là, actuellement, c'est donc Ludovic Firu qui est en tête avec un meilleur tour de 2,09408. Donc à voir pour les qualifs. Hein, là, pour l'instant, on est qu'aux essais de la première course, parce que je vous rappelle qu'il y a deux courses ce soir. C'est pas le premier circuit où les tours ils passent les 2 minutes. C'est possible. Je crois que ça tournait en 1,30 sur les taux de circuit. Ouais. Dans les 1,35, 1,40. La capacité maximum du réservoir est de combien, Gaëtan ? Il dit environ 70 litres pour une heure. En tout cas, on se rappelle bien. Les pilotes, ils ont eu 3 semaines pour s'entraîner. Ouais, 3 semaines pour s'entraîner. Et là, du coup, on a 2 courses à 1 semaine d'intervalle seulement. Dont la finale la semaine prochaine. Hein, donc voilà. Et donc, du coup, j'allais dire, les dernières courses, on a eu des belles batailles entre les pilotes. Je me souviens de celle d'il y a 3 semaines. Elle était assez intéressante. La première moitié de course et la deuxième moitié de course, c'était assez calme, il me semble. À Le Mans Bugatti. Ouais. Avec une course de jour, une course de nuit. Oui, c'est vrai, il y avait eu la course de nuit la dernière fois. Course de nuit qui, bon, au final, était extrêmement bien éclairée. C'était un circuit avec énormément de lumière, donc ça allait encore. Mais c'était sympa de faire une petite course de nuit. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais comme on en parlait la dernière fois, on disait justement que Bathurst, de nuit, tu vois que dalle, quoi. C'est... Bathurst, c'est pas pareil. Il y a des murs qui font beaucoup d'ombre. C'est ça, ouais, c'est vrai. Pas le cas de Le Mans Bugatti, il n'y avait pas des murs pour faire de l'ombre. Et voilà, par contre, on est passé sur un circuit. Attends, mais en fait, on est sur les qualifs là. Ouais. Bah oui, c'est toujours les qualifs après le débrief. Mais moi je pensais qu'ils étaient repartis sur un essai. Alors. Je raconte n'importe quoi depuis. Et moi je suis vraiment fatigué. Hein. J'ai bossé toute la journée, là, je suis claqué. Excusez-moi. Donc non, on est sur les qualifs effectivement. Donc on va se remettre sur Ludovic du coup pour faire un tour embarqué. Alors je vais attendre qu'il passe la ligne d'arrivée. Pour ou contre la mise en retraite de Hammer, hein, répondre au sondage dans le chat. Le licenciement. Ah non, mais là, ce soir, c'est pas... Voilà, va pas falloir m'en demander beaucoup parce que... Moi, je pense que c'est un licenciement sec, hein, sans indemnité, hein, perso. Ah bah ça, de toute façon... C'est la dure loi du loyer. Donc on voit que la piste est quand même assez plate et que du coup, on n'a pas une énorme visibilité sur le circuit. Hein. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Le circuit, on voit pas grand-chose. On a un peu du mal à se repérer. Le problème de ce circuit-là, c'est qu'il pique un peu les yeux. Je m'explique. Ouais. Il y a du bleu partout. Il n'y a pas d'herbe, il y a du bleu. C'est du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Sauf que d'avoir du bleu partout pour les repères de freinage, des fois, c'est relativement handicapant, je dirais. Et personnellement, c'est pas un circuit que j'affectionne. Et puis du coup, avec une voiture qui est assez capricieuse sur le train arrière. Donc ça y est, Ludovic Firu va passer la ligne d'arrivée. Je vais vous mettre en onboard et on va aller voir ça un peu de plus près. Hop. Entendu l'interview de Ludovic Firu. Hein. Ludovic Firu est un pilote qui adore les voitures survireuses. C'est-à-dire qu'il tourne plus que le virage. Et ben, ça tombe bien parce qu'on vient de voir qu'il vient de déraper accidentellement sur un vibreur et qu'il a réussi à très bien se rattraper. Bon, là, il vient de faire un tête à queue. Voilà, il a réussi. C'est le comportement d'une voiture survireuse. C'est le comportement type d'une voiture survireuse. Donc, c'est marrant. On va voir. Enfin, ça veut dire que c'est plus compliqué de tenir des voitures survireuses sur des petits circuits comme ça, parce qu'en fait, on dit qu'il est plat, mais il n'est pas réellement plat. Il y a des légères bosses sur le circuit. Et ça, sur les voitures survireuses, quand on prend la trajectoire pile sur la petite bosse, des fois, ça peut être fatal. Et il suffit de sortir du virage, petite bosse, réaccélération en même temps, et alors là, on est sûr de partir. Si on accélère sur Ou de rétrograder, à ce moment-là. Surtout que cette voiture, au rétrogradage, surtout de la 4e à la 3e, et ultra violent, hein. Ça freine sec, c'est un frein à main, c'est incroyable, c'est une patinoire. Si tu vas à pantalon pointe, c'est mort.
Ah bah là, le rétrogradage, faut le faire en douceur, ou alors faut vraiment savoir ce qu'on fait, quoi. Talon pointe, et sinon, il n'y a aucune chance, quoi. C'est sûr que ça va partir. Alors qu'on a Rémi Gruson aussi en seconde place, du coup, EPRT également, avec Ludovic Firui. En EPRT, d'après ce que je vois... Ah, Damien Roux qui a changé de livrée, j'ai l'impression. Ou alors il avait... Non, Damien Roux, on l'a pas vu encore, si. Je me souviens plus. Il a participé à une course semaine dernière, je crois. Il avait pas cette livrée-là. Là, si, la livrée Dragon. Livrée-là. Mais c'était pas... Ah non, je confonds avec Alexandre Ducournau. Cette livrée-là, enfin, je me rappelle pas l'avoir vue, cette livrée-là. Ouais. Après, on a Gaëtan qui pourra nous dire dans le chat, mais... Alors, la team FFSR est en force encore ce soir. Hein. Donc, Steve Chedvi qui est au stand actuellement. Et il me semble que FFSR, on avait, si je me trompe pas, bah, il est tout seul, je crois, ce soir, FFSR. Non, Loïc Chitre, il n'est pas FFSR. Il y a Eric aussi, je crois, normalement, non ? Eric Gaget, mais il n'est pas là. Ouais. Là, parce que normalement, je devrais, si tout se passe bien, on devrait caler une interview avec... une des personnes qui manage la team FFSR. Ah, sympa ça. Donc après l'interview de Ludo. Ah, Damien Roux a quitté EPRT de ça. En fait, il était chez EPRT, il les a quittés. Du coup, il roule en solo apparemment. Ah, la saison des transferts. Et donc là, ça y est, apparemment les qualifs sont finis. Et donc on va passer à la première course. Alors on va essayer de faire un petit classement. Qualif, hop, les résultats, et donc voilà, on a nos 10 pilotes. Donc, si ça veut bien s'afficher, voilà, Ludovic Firui premier avec 2,08,688. On a ensuite Damien Roux, 2,09,661. Troisième, Rémi Gruson, 2,09,857. Brigonnet Philippe, quatrième, 2,10,229. Guillaume Masse, cinquième, 2,10,926. Et ça vient de s'actualiser. Oui, tu m'entends ? Allô ? Ah, tu ne m'entends plus. Je t'entends presque pas. Ah, ça coupe. Ça coupe ? Ah, mais oui, parce que la session est en train de changer, c'est pour ça. Non, je t'entendais presque pas. Ouais, parce qu'ils viennent de... Je sais pas, il s'est passé un truc avec le jeu. Manger des pommes, c'est important. Du coup, hop, tout s'est fermé, c'est génial. Voilà, donc je disais, j'en étais à Rémi, non, Brigonnet Philippe, 4ème, 2,10,229, Guillaume Masse, 5ème, 2,10,926, Steve Chedvi, 2,11,621 en 6ème position, 7ème position Mathieu Schneider, 2,11,675. 8ème Loïc Chitre, 2,12,202, 9ème Pourré Sébastien, 2,12,237. Simon Bourguin, 10ème, 2,13,352. Et ensuite, on a Alexandre Ducournau, 11ème, 2,13,785. Et Anton Mapton, 2,18,074. Donc on voit quand même que sur la première page, on a encore une fois des pelotons qui se forment. Avec les trois premiers qui tournent en 2,09, 2,08. Et ensuite, c'est 2,10, 2,11 et 2,12. Et donc du coup, on a déjà nos grilles de départ et nos pelotons de début qui vont se livrer, à mon avis, des batailles assez assez violentes, à mon avis. Hein. Surtout, je pense, dans les Guillaume Masse, Steve Chedvi et Mathieu Schneider, ça risque de batailler fort dès le début de la course. Hop. Et d'ailleurs, pendant la petite pause, hein, je remettrai le lien de l'interview avec Ludo. Pour ceux qui veulent l'écouter, l'actuel leader du championnat. Et donc oui, effectivement, Gaëtan, il y a le warm-up. Mais ce soir, je te dis, Gaëtan, ça va être très compliqué, là. Il faut qu'on se remette déjà des trois semaines, qu'on se rappelle tout ce qu'il y a. Et en plus de ça, on a bossé tous les deux toute la journée aujourd'hui. Donc, Tiens, d'ailleurs, Gaëtan, si tu avais eu la possibilité de t'entraîner sur le circuit, est-ce que tu te rappelles quel temps tu faisais dessus ? Par curiosité. Je suis sur la voiture Europa Park, là. Mathieu. Mathieu Schneider. Ça, ouais.
Faire trop top faire. Alors Mathieu, ce qui va réussir à gérer ses freins, enfin ses pneus cette fois. Ouh, il a fait un tout droit. Et il a décidé de dégommer les pneus, les plots. Et donc il reste 2 minutes de warm-up et après on passe à la course. Alors le warm-up, hein, tu peux nous réexpliquer à quoi ça sert éventuellement. Alors quand vous êtes entraîné en tour qualif, hein, vous êtes avec une voiture en théorie relativement légère. Si vous voulez éviter les accidents dès la première chicane ou le premier virage, il faut laisser 5 minutes de warm-up au pilote pour s'habituer à rouler avec une voiture pleine. Parce qu'en fait, entre un setup qualif et un setup course, déjà, il peut y avoir des modifications. Donc, le comportement de la voiture n'est pas la même et c'est encore pire avec une voiture plus lourde. Donc, du coup, l'intérêt de faire un warm-up, ça peut aussi permettre aux pilotes de reprendre leur repère de freinage. C'est-à-dire que plus la voiture est légère, plus on peut freiner tard en théorie. Bien sûr, ce n'est pas une science absolue. Cependant, plus la voiture est lourde, plus elle va être entraînée par sa masse et donc elle va faire un sous-virage, c'est-à-dire un tout droit. Elle ne va pas tourner le virage. Et donc, du coup, il faut freiner plus tôt pour pouvoir prendre une même trajectoire que si on avait une voiture légère. Alors que Gaëtan nous a dit qu'il tournait en 2.11, il lui semble. Mais sa sciatique a commencé à 2 semaines. D'accord, effectivement. Donc je suis sûr que tu aurais bouclé. Il n'y aurait pas eu la sciatique, tu l'aurais fait en 2-2. Je pense. Mais c'est ça, les pilotes vétérans. Hein. ils sont sujets à des sciatiques. Alors c'est moi qui ne devais pas dire de bêtises, mais là pour le coup, c'est moi qui vais me désolidariser. Et là, on s'attaque quasiment à l'organisation. Là. Ça rigole plus. Ah oui, non, mais. L'organisateur, on lui dit que c'est un vétéran. Là, on est. On a plus peur de rien. C'est bon. donc, il reste 30 secondes avant le départ. On rappelle qu'il y a deux courses d'une heure. Et donc, c'est grille inversée pour la deuxième course. Et tu vois, il confirme. T'as de la chance. Moi, personnellement, je l'aurais licencié. Mais c'est un avis personnel. Alors qu'il y a un hélicoptère qui s'éclate à tourner autour du circuit là. Alors j'essaie de retrouver un pilote qui est pas encore rentré au stand. Damien Roux qui en sort justement, bah parfait. Donc Damien Roux qui a quitté l'équipe PRT qui est pour le moment en tête du championnat. Alors que le warm-up est fini. Il clôture son tour et puis. C'est pas le seul à être encore en piste. Il y a Philippe Rigonnet qui finit son tour là. Oui, et il y a Guillaume Mas également. Qui lui est toujours chez EPRT. D'ailleurs, il a cramé combien de chances du coup, Gaëtan, qu'on sache un peu son quota, s'il est toujours positif ou pas. Ça y est, la course va commencer. Ouais, il y en a qui ont une chance de marquer des points pour ce championnat sur un circuit d'une longueur de 5,8 km pour 15 virages avec une inclinaison. Total du circuit de 0 degré. Je rappelle que nous sommes au Castellet avec un petit vent venant de la Tramontagne. Hein. Nous sommes dans le sud-est de la France. Je n'ai pas l'accent, alors je ne me permettrai pas de le faire alors que la course va bientôt commencer. Notre ami Hammer est en train de se promener sur la piste pour regarder un peu les voitures de plus près. Et ça va partir très vite maintenant. Et ça y est, c'est parti, Ludovic Ferrui en tête. Un super départ apparemment. Oui, ça, départ voilà, extrêmement propre. Damien Roux second, Rémi Greuzon troisième. Oh, ça part à une vitesse. Une grosse prise de vitesse au départ. Alors, j'espère qu'ils vont... Alors, vu la vitesse qui passe là, j'espère que... Il y a eu une touchette. Ouais, on a un pilote, Sébastien Pourré qui se retrouve à l'arrière, du coup il a dû se faire percuter. Anton Mapton et Simon Bourguin au coude à coude. Anton Mapton qui passe. Non, Simon Bourguin qui reprend l'intérieur, ça croise. Et il y en a un qui a perdu son pare-choc. Hein. Deux contact avec Anton Mapton et Simon Bourguin. C'est Simon Bourguin qui passe devant. C'est Anton t'as Mapton. Encore deux chances de dire des bêtises. Voilà, ça prend très large. Hein. Et donc du coup, c'est Anton Mapton qui tire son épingle du jeu. Et voilà, quand il n'y a pas d'herbe, la Mystery Machine, elle passe. Hein. Loïc Schitt qui s'approche très très près de Steve Chidville. Ah, Brigonnet Philippe en travers de la route.
Alors, je vais me permettre une analyse qui me sera propre pour le coup. Mais vu comment le départ a été très rapide, le deuxième départ en grille inversée risque d'être relativement violent. Ah oui, ouais, il y a des chances. Ouais. C'est vrai que là, ils sont partis, mais pour l'instant, je trouve que c'est le départ le plus rapide qu'on ait vu hein, sur ce championnat. Ils sont arrivés dans le virage à une vitesse. Ah, ça prend très large hein, pour Simon Bourguin. Non, pour Mathieu Schneider, pardon. Et du coup, comme Damien Roux a quitté les EPRT, il y a un indépendant qui vient bousculer un peu les EPRT, là, du coup. Et oui, tout à fait, parce que Damien Roux est second, là, actuellement. Ludovic Firouy est déjà parti au large, du coup. C'est vrai que... Bon, il nous a... Il d'avance. Il nous y a habitué un petit peu, et à faire ses courses en solo, du coup. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à, du coup, s'attarder plus sur ce qui se passe derrière lui. Mais bon, là, c'est vrai que quand on roule solo... il participe pas vraiment aux batailles, donc c'est un peu compliqué de se mettre dessus, mais... En tout cas, Damien Roux et Guillaume Mas qui sont dans la file. Ah là, l'arrivée au virage est extrêmement rapide. Hein. Oh, ça dérape beaucoup pour... Dans la chicane. L'arrivée dans la chicane, ouais, chicane à cet endroit. L'arrivée dans la chicane, exactement. Ouais. Chicane que Simon a découpé en deux tout à l'heure. Non, Mathieu a découpé en deux tout à l'heure. Mathieu ou Simon, il y en a des deux qui l'a découpé en deux tout à l'heure. Ouh, ça y est. Damien Roux de travers. Ouais, Damien Roux en travers. Trop vite sur le vibra. Il a perdu l'adhérence. Il revient en piste, sans encombre apparemment. Loïc Chitre qui va tenter le dépassement. Et après, ça passera théorie, pas. On ne roule pas sur le même rythme. Oui, on tout à pas fait. On ne roule pas sur le même rythme, les deux là. Ce serait pas avantageux pour Loïc Chitre d'essayer de le challenger. Il risque plus d'abîmer sa voiture qu'autre chose. Bah, la mise sous pression pourrait... faire des dégâts. Pourrait porter préjudice à Loïc Chitre, je pense. Mais... C'est ça. Je pense que le préjudice moral pourrait être inquiétant. Alors que le préjudice physique risque d'être potentiellement hypothétique. Alors il qu'on parle a... bien le punking ce soir. Alors qu'on a Alexandre Ducournau qui est plus très loin de Loïc Chitre d'ailleurs. Il s'apprête très bien au départ rapide, mais il s'apprête très bien à une deuxième course en grille inversée relativement impressionnante sur le départ, je pense. Hein. Ah, on verra, ça se trouve, on peut être surpris. Hein. Ah, moi, j'ai été bluffé par le départ, je m'y attendais pas du tout. je pensais pas que ça allait aller si vite, mais c'est incroyable. Hein. Ils vont vraiment, vraiment très vite, là, sur ce circuit. Après, c'est un circuit de Formule 1. Ah bah oui, tout à fait. Le circuit est conçu pour la vitesse, à l'origine. Et Damien Roux qui remonte sur Steve Chedvy. Steve Chedvy qui est lui-même sur les talons de Mathieu Schneider. Pendant que les voitures elles font un tour en 2.08 pour la meilleure, Hamilton l'an dernier il l'a fait en 1.28 hein, avec une Formule 1. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Hein. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on a des Français qui ont gagné dessus? Ben oui, on a eu des Français. On a eu Alain Prost qui l'a gagné 4 fois. Bon, on a René Arnoux une fois. Niki Lauda une fois. Jackie Stewart, le premier à avoir gagné. Ronnie Peterson. James Hunt, le grand concurrent de Niki Lauda à l'époque. Mario Andretti, qui était américain, avec un nom italien. Alan Jones. Ah. Nelson Piquet. Et Nigel Mansell. Ah, Steve Chedvy qui sort des limites de la piste, qui donc se fait doubler par Damien Roux, ça y est. Damien Roux qui est aussi sorti des limites de la piste. Damien qui est aussi sorti des limites, effectivement, et qui va donc aller s'attaquer à Mathieu Schneider. Après, Damien Roux, il roule vite, hein, donc je serais pas surpris qu'il remonte hein, sans trop de difficultés. C'est juste la prise de risque qui pourrait potentiellement faire stresser la personne qui est devant lui, donc du coup faire une mauvaise manip à la personne qui est devant. Et s'il est trop près, ils peuvent partir tous les deux dans le décor. Oui, tout à fait. Et donc là, on a Rémi Gruson qui est juste derrière Guillaume Mas. Donc les deux et troisième EPRT, du coup. Tiens, je m'amuse à regarder les étriers de frein quand tu regardes la caméra TV. Ouais. Et je sais pas si t'as vu l'énorme différence entre les étriers de frein avant et les étriers de frein arrière. Alors, pas du tout. J'ai pas la définition nécessaire pour le voir. Parce qu'avec le streaming, je suis obligé de réduire un peu la qualité du jeu. Ce qui sera bientôt... Ce qui sera bientôt résolu, puisque ça y est, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine.
Et donc du coup, c'est possible que pour la finale, il y ait un streaming de meilleure qualité. On verra, je vais essayer de régler en 8K. Ça. Bah, peut-être en pas 8K. En 8K non plus, parce que j'ai pas le portefeuille pour ça non plus, mais... Mais voilà, il y a... Ah, hey, ça y est, Rémi Grusson qui sort un peu. Damien Roux qui est passé hein, pendant qu'on parlait de machine. Ah, il est passé devant Mathieu Schneider, effectivement. Elle tourne plus vite, hein. Ouais, ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais c'est passé sans encombre et ça fait plaisir, en tout cas. Une voiture de travers, Brigonnet, qui s'est mis de travers, qui a réussi à rattraper. Ouais, la largeur de piste s'y apprêtait. Et donc Mathieu Schneider, hein, qui se laisse pas distancer pour l'instant par Damien Roux. Je pense qu'il a la capacité pour aller le remonter. Après, est-ce oui, que il a aussi la capacité pour exploser ses pneus. Attention. Oui, c'est ça en fait le truc, c'est que. On connaît le Mathieu. Enfin, c'est Mathieu qui est là. On connaît le Mathieu. Ouais, c'est ça. Ouais, Mathieu la qui. La foule du débutant, ça peut piquer sur les pneus. Hein. Faut rester sage des fois. Mais c'est vrai qu'il a largement les capacités pour le tenir et le remonter. Et après, c'est vrai que. Ben, c'est pas vraiment non plus. Enfin, on a pu le voir que la team EPRT dominait clairement la majorité des courses. Et donc, c'est vrai que ça peut être plus avantageux pour lui de rester derrière en économisant et profiter du rythme de Damien Roux. Et pourquoi pas tenter vers la fin de course de passer. De risquer justement une pression. Enfin, pour essayer de mettre la pression sur Damien Roux. Et tenter de prendre la place à ce moment-là, mais tout en sécurisant la sienne, qui peut être avantageux pour, pour ses points au championnat. Damien Roux qui se battait dans les premières places, qui est un ancien EPRT. Personnellement, je ne lui mettrais pas la pression dans un truc comme ça. Je m'amuserais à rester derrière sans mettre la pression pour observer les trajectoires et les repères de freinage. Je pense que c'est peut-être le meilleur moyen d'apprendre pour en tirer avantage sur les personnes avec lesquelles il roule sur le même rythme. Mais tu vois, Damien Roux a beau être... rapide et assez technique, il sort quand même énormément les sorties de virage, il les fait quand même énormément en dehors de la piste. Hein. Il passe même des fois carrément à côté des vibreurs dans les bordures quoi. Donc c'est ils sortent extrêmement large, ils sont beaucoup à sortir. Ouais. Je sais pas jusqu'où ils ont le droit d'aller. Je sais pas comment limite de piste sur ce circuit. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y avait eu un débat justement sur. Il y a un débat qui traîne depuis longtemps entre les pilotes américains et les pilotes occidentaux, si je me trompe pas, européens. Comme quoi les Européens interprètent les règles de la façon suivante, où en gros la limite de la piste c'est la ligne blanche. Et t'as le droit de monter sur les vibreurs. Les Américains, eux, c'est le bitume. C'est-à-dire que tant qu'il y a du bitume, tu peux rouler dessus normalement. J'avais vu un truc comme donc ça. Donc ça veut dire le Castellet, tu roules où tu veux quoi. Et ben justement, le Paul Ricard était un des circuits qui posait problème parce que le Paul Ricard est un circuit où c'est que du bitume, il n'y a rien d'autre. Et que souvent les Américains avaient tendance à prendre extrêmement large et à couper un peu la piste. Ben, ça veut dire qu'à Bathurst, la limite de piste, c'est le mur quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de bitume. Bah tu vois, par exemple, Gaëtan nous dit que sur l'extérieur, il n'y a pas vraiment de limite. Et donc c'est bien ce que je disais, c'est que j'avais vu justement qu'ils adaptaient les règles en fonction. Et que justement c'était ce circuit qui posait problème justement. Minimum 2 roues sur le vibreur en théorie. Ce qui fait que tu peux avoir les 4 roues entre guillemets en dehors de la ligne blanche, tant que tu as 2 roues sur le vibreur, t'es pas considéré en code de piste normalement. En tout cas c'est le format appliqué en Formule 1. C'est ça. Après comment c'est dans la réalité et comment le jeu interprète et comment le mode du circuit interprète les limites de piste suivant la législation en vigueur, peut-être qu'il le prend en compte ou pas, mais ça peut aussi varier. Hein. C'est pour ça qu'il est important aussi de tester la voiture et de s'entraîner, de savoir où sont les limites de piste, parce que les limites de piste réelles sont peut-être pas forcément celles interprétées par le jeu. Le jeu peut très bien prendre en compte uniquement la ligne blanche, et si tu roules sur la ligne blanche, t'as pénalité directe. Ou alors il prend en compte ça dépend d'un jeu à un autre. Hein. C'est regarde, ça, exactement. Project Car 2. Oui. Tu te rappelles quand on a commencé ensemble dessus, on s'arrachait les cheveux avec le commissaire de piste. Le commissaire de course, moi, il m'aimait pas sur Project Cars 2. Hein. Ah, on a été lui exploser sa maison plusieurs fois. Non, bah on a juste arrêté de jouer à Project Cars 2, en fait. Déjà, ça a résolu le problème, en fait. Sans doute, t'es tranquille. Mais c'est vrai que nous, on est passé de Project Cars 2 à Race Room, et Race Room, c'était beaucoup plus permissif en termes de limitation de piste. En revanche, c'était en termes de limitation en termes de dégâts, qui c'était ultra hardcore Race Room. Et encore, il y a eu une mise à jour il y a pas longtemps. Et encore, Race Room, c'était plus simu aussi. Hein. Ah, ça y est, Brigonnet Philippe qui redérape et qui perd beaucoup de vitesse. Et Steve Chedvy va en profiter. Ça y est, il est passé. On le voit au loin, Steve Chedvy.
Mais je me souviens, la Formule 2 sur Race Room, tu frôlais le mur, ton pneu explosait, ta voiture elle était défoncée, tu pouvais plus rouler quoi. Ah oui, enfin moi ouais, j'avais des mauvais souvenirs de ça, parce que c'est le moment où mon volant en faisait qu'à sa tête et qu'il y avait un retard de FFB. Exactement, et donc oui du coup Gaëtan nous précise bien que P-Cars 2 c'est pas une simu, c'est un jeu console. Oui effectivement c'est un jeu console, après ça reste quand même un jeu assez nerveux, c'est... On va dire que pour la détente c'est pas mal, pour passer ses nerfs dessus c'est pas mal. Pas de débat politique sur ce chat, messieurs. Non mais après je sais que moi l'un des meilleurs souvenirs que j'ai sur Race Room, c'est le DTM au Nürburgring là. Le DTM était très sympa, c'est vrai. Là, sur les murs, bon, c'était même accroché tous les deux sur ce circuit en fait. Ouais, c'est vrai. Là où les murs étaient très très proches après les épingles. Ah, il était marrant ce circuit en DTM là. DTM, c'est relativement marrant aussi. Et on voit que Guillaume Mas s'est retrouvé 7ème. Guillaume Mas qui était 3ème, il me semble. Hein. Et Rémi Gruson, du coup, est passé devant. Et Guillaume Mas qui, du coup, est derrière Loïc Chitre et qui, à mon avis, va devoir faire la remontada. Et voilà, ça y est, ça passe. Ça tente le dépassement. Loïc Chitre. Loïc Chitre qui n'en démord pas, hein, qui laissera pas passer. Mais là, à mon avis, ça va passer sur l'intérieur et ça en sera fini. Voilà, c'est bon. Ça y est, Guillaume Mas qui passe, Loïc Chitre qui va se rapprocher de Steve Chedeville. Donc Steve Chedeville qui est pour le moment sur cette course là en tout cas le seul représentant de la team FFSR. Je reviens. Donc il revient. et donc Guillaume Mas qui va devoir remonter entièrement puisqu'il était deuxième c'était Damien Roux il me semble et du coup à cause d'une erreur je pense qu'il est retombé troisième. Rémi Gruson a pris donc la seconde place. On a Ludovic Firuy qui mène toujours sa barque en solo. Et on voit que ça, il arrive sur la ligne d'arrivée. Il vient de passer la ligne d'arrivée. Il enchaîne sur la chicane, je vais y arriver. Et la chicane, c'est impressionnant. Ils la prennent vraiment très très vite. Hein. Donc on va refaire un tour sur Guillaume Mas qui, du coup, on va le voir remonter, je pense, pas mal de voitures. Là, il est 6ème actuellement. Steve Chedeville 5ème. Brigonnet Philippe 4ème. Brigonnet Philippe qui est 4ème alors qu'il a quand même eu quelques désagréments dus à des dérapages intempestifs. Pas mal et du coup c'est il est quatrième donc ça fait plaisir. Donc Steve Chedeville qui va bientôt devoir défendre et qui sort très large et du coup ça permet à Guillaume Mas qui est sur les talons de Steve Chedeville. Oh ça sort pour Steve Chedeville. J'ai pas entendu le bruit de contact, à mon avis c'est dû à une erreur de vibreur je pense. Le vibreur, c'est là où Damien Roux est sorti tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est le vibreur. Après, la voiture a l'air d'avoir été. Enfin, a l'air d'avoir glissé de l'avant. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de bruit de contact. Donc, je pense effectivement que c'est une erreur due au vibreur. Et donc, ça a permis à Guillaume Mas de passer 5ème. Guillaume Mas qui est 3 secondes 7 derrière Brigonnet et Philippe. 4 secondes maintenant. Et je pense que l'écart va se réduire d'ici un ou deux tours. Alors que tous les pilotes sont à quasiment 2 secondes d'écart hein, au minimum, donc ils sont assez espacés. Oui, ouais. À part Ludovic Firuy qui a 12 secondes, quoi. Bon, Ludovic Firuy, voilà, quoi. C'est... je pense que c'est hors compétition, en fait. Il devrait être le safety car, le gars, si tu veux, je pense. En fait, c'est une course multiclasse. Ludovic Firuy est dans sa classe. En fait, c'est Ludovic Firuy versus les autres, si tu veux. C'est un peu ça, en fait. Ludo et compagnie. Exactement. Et donc c'est Pourré Sébastien qui est le plus près de Steve Chedeville et qui est en train de remonter. Donc Sébastien Pourré qui dès le départ a subi un accrochage et qui du coup a dû partir dernier. Et du coup il a déjà remonté 3 places. Alors qu'on a Anton Mapton qui a 62 secondes de retard sur Ludovic Firuy et qui est juste derrière Simon Bourguin. Par contre, Simon et Hampton, ils ont récupéré un pare-choc avant. Hein. Ils ont récupéré un pare-choc, donc c'est possible qu'ils soient passés au stand, ou alors c'était peut-être un bug graphique, juste. Hein. Parce qu'il faut, des fois, si on voit des voitures sans pare-choc, si on n'a pas vu le crash, c'est souvent un bug graphique. Dans ce jeu, c'est assez fréquent. Ouais, ils se sont juste arrêtés, et puis ils ont ramassé leur pare-choc et ils l'ont remonté. Exactement. Une belle preuve de fair-play de pousser son pare-choc au tour suivant. Qui roule avec un pare-choc ou ne roule pas, c'est ça la devise. Et donc ils se sont bien arrêtés pour réparer, on a la confirmation du chef de clan. et donc
Alexandre Ducournau qui s'approche de Loïc Chitre. Peu de bataille pour le moment. Ça reste à distance. Là, on a fait un quart de la course et on est qu'au début et il y a déjà une distance qui se crée. C'est un circuit qui est quand même relativement rapide, donc du coup, les distances se creusent assez vite. En revanche, je pense que l'aspiration doit quand même être, malgré le fait que la voiture s'y prête pas forcément, l'aspiration doit être quand même une belle aide sur les longues lignes droites. On a vu Guillaume Mas qui en a profité pas mal déjà. Guillaume Mas qui du coup est toujours 5e et qui a encore perdu du temps sur Brigonnet Philippe, puisqu'il a perdu 2 centièmes depuis qu'on l'a vu tout à l'heure. Et je pense que d'ici quelques tours, il devrait commencer à rattraper, puisqu'il était déjà deuxième ou troisième. Donc non, il était troisième, il me semble. Pour moi, Simon et Anton, ils se sont arrêtés au stand. Oui, mais il l'a dit, Gaëtan. Ah, d'ailleurs, Simon Bourguin qui retourne au stand. Alors, j'ai pas l'impression que c'est pour réparer ou pour faire quelque chose. Je pense que c'est juste une pénalité. Drive-through peut-être, suite à des cuts. Ouais, drive-through, je pense. Ouais, effectivement, il a juste traversé les stands. Et donc, c'est Anton Mapton qui est toujours derrière. Donc, il a pas eu le temps de le rattraper. Il s'est arrêté au stand juste pour essayer d'attendre Anton pour avoir une petite bataille. Hein. Il y en a, ils se font des kiffs comme ça, tu vois, de se dire, tiens, je vais attendre celui qui est derrière. Ah, c'est possible, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Ouais, je sais, mais je me disais que c'était bon moment d'inventer une histoire. Ça embellissait la chose. Je sais pas ce que t'en penses. C'est clair qu'un championnat, genre, vois, un championnat, c'est le bon moment. C'est le bon moment, tu vois. Père Castor, tu racontes une petite histoire comme ça, tu vois, avec Marcotte qui fait une petite. Ah non, c'est bon. Non. Non, et moi, je veux pas streamer dans ces conditions. Moi. C'est pas la peine. À un moment donné. Et en plus, tu te casses la gueule, alors bravo, franchement. Je veux une prime de risque. Ah, c'est moi qui devrais l'avoir, la prime de risque. Hein. Finir en taule avec tes histoires. Enfin bref, revenons... Il y en a, c'est avec des tôles froissées qui vont finir la course, par contre. Revenons au sujet principal de la vidéo, qui est quand même la course. on s'égare un peu. Il y en a, c'est avec une tôle froissée qui vont finir la course. Et donc c'est Brigonnet Philippe qui s'approche de Damien Roux. Il n'est plus qu'à une seconde. Il s'en fiche complètement. On a plus rien à battre, on s'occupe de la course. Alors. Ah, le Tom King, il est au taquet ce soir. Il a décidé de faire pleurer tout le monde ce soir. Préparez vos mouchoirs, messieurs. Donc, Brigonnet Philippe qui est sur les talons de Damien Roux. C'est assez impressionnant, hein, la vitesse qu'ils prennent quand l'arrivée des virages. En plus, c'est beaucoup de virages rapides. Et on voit Damien Roux qui va devoir défendre. Ça y est, Brigonnet Philippe qui se rapproche de plus en plus. On va avoir droit à une belle bataille. Je sais pas si Damien Roux économisait sa voiture le temps de. Je rappelle qu'on est qu'à 20 minutes de course depuis le début. Hein. Donc du coup. On est qu'à 20 minutes de course. On est qu'à 20 minutes de course, mais Damien Roux a quand même perdu pas mal de place et il est obligé de remonter. Là, il est 3ème et il va certainement se retrouver 4ème dans peu de temps. Oui, parce et que... puis il va peut-être récupérer la 3ème place à la fin. Ça y est, Brigonnet Philippe passe par l'intérieur. Il faut pas oublier que Brigonnet Philippe a loupé plusieurs fois le virage qu'il est en train de passer là. Ouais. Donc il n'est pas à l'abri de réitérer cette erreur. Mais ça y est, il est passé. Et Damien Roux. Damien Roux qui tente. Il va tenter l'intérieur. Non, ça va être sur l'extérieur là, Damien Roux du coup. Si, ça va tenter le croisement peut-être, non. Non, mais il a pas allumé ses phares, c'est pour ça qu'il l'a pas vu. Ah, on voit que ça glisse bien sur le vibreur. Hein. Ça le prend et ça glisse. Ouf. Ah, ça, c'est serré entre les deux pilotes là. C'est très impressionnant comme duel sur ce circuit et sur les virages là. Il était pas loin de partir la voiture. Il y a énormément de points de dépassement, j'ai l'impression. Et les pilotes n'hésitent pas à attaquer à n'importe quel endroit. Hein. C'est assez impressionnant. De toute façon, il n'y a aucune limite de piste. Bah là, il n'y a plus de limite les mecs, de piste. Ouais, c'est... Je dis, ceux qui font les barrières, c'est des malheureux pleux oranges. Les mecs, ils sont même pas payés, ils se demandent ce qu'ils font là, tu vois, et puis ils peuvent se faire démolir par une voiture. Ça choque personne. Et donc, du coup, ça y est, Damien Roux qui est en train de perdre la distance. Moi, je dirais plus au life meter, tu vois. Nous engageons pas dans ce débat-là. Non, mais
La vie des plots compte. T'imagines le budget plot du circuit s'il découpe tous les plots? T'imagines le budget qu'il peut y avoir tous les ans? Pauvre petit plot. Franchement, je montrerai un sadique à voir. Ils sont de la même couleur que le pumpkin, je suis obligé de les soutenir. Putain, ça sort vraiment. C'est pas quel point c'est frustrant. Ça sort vraiment large hein, pour Damien Roux. Ça monte clairement sur le vibreur. Hein. C'est. Ça doit être. Il doit, à mon avis, savoir quel. Ah, ça a où ça des... Une petite perte de contrôle quand même hein, sur certains vibreurs. Ils ont deux setups différents, j'ai l'impression. Bah, déjà ça, je pense, et surtout qu'on sent bien qu'il y a certains vibreurs qui sont quand même plus safe que d'autres. Parce qu'il y a certains où ils n'hésitent pas à monter dessus et d'autres, poser une roue, ça me paraît compliqué. Bah, il n'y a pas d'inclinaison totale sur le circuit, mais t'as un léger dénivelé à certains moments. Très léger, ouais. Mais qui peut être préjudiciable. La réaccélération sur le vibreur, elle est pas sereine hein, quand même. Et donc on revient sur Alexandre Ducournau qui est toujours derrière Loïc Chitre et qui tient la distance pour le moment. Il garde le rythme. Si on faisait un petit tour embarqué. Et ben on peut se mettre effectivement sur Ludovic qui est en tour embarqué pendant que Guillaume Mas est en train de remonter sur Damien Roux. Bah on peut se mettre sur Guillaume Mas d'ailleurs, puisque ça on profitera du tour embarqué plus de la bataille. Ça peut être pas mal. Tu te mets sur qui tu veux. Je me mets sur Guillaume Mas, j'ai choisi. C'était un tour embarqué avec Guillaume Mas. Hein. N'hésitez pas à lire le pilote de la course en envoyant un SMS au 6-13-13. Hein. 150 euros le SMS. Hein. Le SMS 99 pour le Ludovic. 42 pour Rémi Gruson. Tapez le 12 pour Philippe Brigonnet. Le 12 aussi pour Damien Roux. Donc du coup, on fera un divisé entre les deux. Le 9 pour Guillaume Mas. Le 24 pour Louis Chitre. Le 32 pour Alexandre Ducournau. Le 73 pour Thibaut Chetville. Le 34 pour Sébastien Pourré. Le 94 pour Mathieu Schneider. Simon Bourguin aura le numéro 7 alors que vous pourrez taper le numéro 64 pour Anton Maton. Aidez-moi s'il vous plaît, il est insupportable. Aidez-moi s'il vous plaît, soutenez-moi. M'envoyez plein de SMS. Non, ouais, rien du tout. Et donc Guillaume Mas est passé devant Damien Roux. Du coup Damien Roux se retrouve en 5ème position. Damien Roux qui a pris un virage beaucoup trop large. Et on l'a vu hein, pendant le tour embarqué que les vibreurs sont extrêmement difficiles à gérer. On voyait que sur chaque vibreur pris, c'était compliqué de garder la voiture droite. Effectivement, j'ai le pouvoir de couper son micro. Et c'est possible que ça arrive à un moment donné, effectivement. Sans prévenir. C'est déjà arrivé par le passé, mais pas volontairement. Attends, je suis admin dans le chat, comment je peux supprimer le poste? Il faut, voilà, bloquer temporairement l'utilisateur. Et donc c'est Alexandre Ducournau qui se rapproche de plus en plus de Loïc Chitre. Il en est pas très loin, hein. une seconde 6. Je pense que d'ici quelques tours... Je vais faire grève.
d'ici peu de temps, il devrait pas tarder à remonter sur lui vraiment et commencer une bataille s'il n'y a pas trop d'erreurs. Je dois avouer que moi j'ai très peur des vibreurs, hein. Je suis bien content de ne pas participer à cette course parce que les vibreurs me font extrêmement flipper. Je pense que moi j'aurais pas réussi à tenir le rythme avec des vibreurs pareils, surtout que j'ai une fâcheuse tendance à bien manger des vibreurs. À la nuit, vous devrez entendre. Non, non, pas le vibreur, pas le vibreur, s'il vous plaît, pas le vibreur. Ouais. Voilà quoi. Et donc l'écart, voilà. l'écart est extrêmement grand entre tous les pilotes, hein. Quasiment 4 secondes d'écart entre chaque pilote, et plus ça avance et plus ça se creuse. Et je pense que c'est un circuit qui s'y prête. Hein. C'est un circuit qui s'y prête énormément, et à mon avis les batailles reviendront que dans la deuxième moitié de course, voire carrément la fin de course, le dernier quart quoi. Oula, ça glisse pour Simon Bourguin. Guillaume Mas qui va mettre un tour à Simon Bourguin. Ouais. Simon Bourguin, retardataire. Guillaume Mas qui, voilà, Simon Bourguin qui s'écarte, qui laisse passer Guillaume Mas. Guillaume Mas 4e, Damien Roux 5e qui va également passer Simon Bourguin dans pas longtemps. Alors que notre huissier de justice, ça nous a dit que c'est serré, un zéro vote entre chaque pilote. Et donc c'est pas ce soir qu'on mangera de la viande. Oh putain. S'il vous plaît. Et donc du coup Loïc Chitre qui est toujours suivi par Alexandre Ducournau. Un peu de sérieux, voyons. Oui, effectivement, Gaëtan, les vibreurs sont pas très hauts, mais très très glissants. Et ça m'étonne pas parce qu'ils ont l'air quand même assez plats. Et du coup, c'est ça qui doit faire qu'ils sont effectivement très très glissants. On s'amusait à mettre de l'huile sur les vibreurs. Il fallait pimenter un peu la course, donc du coup, avec Hammer, on s'est promené avec les hélicoptères et puis on a lâché de l'huile sur les vibreurs. C'est sur toi que je vais mettre de l'huile et puis après je vais prendre un briquet. Vous entendez les menaces, hein, on est d'accord, hein, Simon. Deuxième chance qui vient de cramer. Hein. Menace sur un pauvre légume sans défense. Donc j'hallucine. Et donc Steve Chédeville sur les talons d'Alexandre Ducournau qui est lui-même sur les talons de Loïc Chitre. On va avoir un duel à 3 dans pas longtemps. Donc Loïc Chitre qui... Alexandre Ducournau qui réduit son écart de plus en plus avec Loïc Chitre et Steve Chédeville qui arrive dans la bataille. On va avoir droit à une belle bataille, je pense, d'ici le milieu de course. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez calme. On a Anton Mapp... À force de glisser, Damien, il a peut-être éclaté ses pneus. Damien Roux, tu penses ? À force de glisser, il a peut-être éclaté ses pneus. A éclaté, il a peut-être abîmé ses pneus. Ouais, abîmé peut-être, ouais. Ah non, 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 je suis pas d'accord, Gaëtan. Le Pumpkin est super sage. T'aurais dû l'entendre avant le live. Hammer peut te confirmer qu'il est plus sage qu'avant le live. Oui, oui, après, je sens qu'après le live aussi, et pendant la pause du live aussi, à mon avis, je vais avoir besoin de prendre une douche. Là, il va griller d'essence. Et donc, Anton Mapton, qui est actuellement 12e. 11e, Simon Bourguin. 10e, Mathieu Schneider, qui vient de passer la ligne d'arrivée et qui entame la chicane. Sébastien Pourré, 9e. Sébastien Pourré qui a pas eu de chance au départ, il a eu un carton et il s'est retrouvé dernier. Et il est remonté jusqu'à la 9e place. Steve Chédeville, 8e. Devant lui, Alexandre Ducournau, 7e. Pas très loin devant également, Loïc Chitre, 6e. Damien Roux, 5e. Damien Roux qui était 2e et qui s'est retrouvé à la 5e place. Récemment doublé par Guillaume Mas qui est lui 4e du coup. Brigonnet Philippe, 3e. Rémi Gruson, 2e, et Ludovic Firui qui a marqué son meilleur temps, un temps à peu près équivalent à ce qu'il avait fait sur les qualifs, donc 2.09.656. Enfin, il ne vient pas de le marquer, il a marqué ce temps-là pendant la course, son dernier temps est de 2.11, parce qu'à mon avis, il est en train d'économiser la voiture pour tenir jusqu'au bout. Et pour le moment... Il y a un écart stable avec Rémi, hein. Il est aux alentours des 15 secondes comme tout à l'heure. Oui, c'est ça, ça se maintient. Et pour le moment, Alexandre Ducournau et Loïc Chitre sont également à une distance à peu près équivalente à ce qui se fait depuis le début de la course. On a juste Steve Chédeville qui se rapproche de plus en plus d'Alexandre Ducournau. Et je pense que la bataille va d'abord se passer entre les deux et ça va permettre à Loïc Chitre de littéralement s'envoler, à mon avis.
si Steve Chedvig attaque avant que Alexandre Ducournau et Loïc Schitt soient en bataille, Loïc Schitt va pouvoir être tranquille sur la fin de course, à mon avis. Oh, il y a eu un... non, non. Oui, effectivement, 2-0-8 pendant les qualifs. Ah ouais, il est à 0-8 en qualif, d'accord. Donc ouais, il a son temps de course est pour l'instant supérieur. Et donc c'est Alexandre Ducournau qui pour l'instant a le plus petit écart avec Loïc Schitt. Une, deux. Salut David. David de la salle qui est dans le chat. Oui. Salut à toi. Le manager. Et donc Steve Chedvig, ça y est, qui commence à vraiment se rapprocher. Il est juste derrière Alexandre Ducournau, et comme on le disait tout à l'heure, si jamais la bataille se fait entre les deux, Loïc Schitt va certainement pouvoir s'envoler et larguer littéralement Alexandre Ducournau qui le suit depuis tout à l'heure et qui réduit de plus en plus l'écart. Ça va se jouer entre les trois en tout cas. Et on voit que les lignes droites sont plus profitables à certains plutôt qu'à d'autres. Et effectivement, on voit que Steve Chedvig est vraiment collé à Alexandre Ducournau. Là, ça y est, il est juste derrière lui. Il va pas tarder à attaquer. On voit surtout qu'il y en a un qui a besoin d'aller se coucher. Oui. Là, faut que j'aille dormir. Je sais pas si je vais pouvoir tenir la course d'après. Hein. Si vous voyez un écran noir, c'est normal. Ça fait plaisir. Et ça y est, Steve Chedvig qui passe devant. On s'est dit que c'était marrant de faire un format comme ça et puis de faire découvrir un peu les ressentis des pilotes et leur parcours. Voilà pourquoi on a fait ça. Et donc c'est Steve Chedvig qui est passé devant. Effectivement, la bataille n'a pas été très longue. Et Steve Chedvig va donc pouvoir s'attaquer à Loïc Schitt. Loïc Schitt qui a quand même gagné une seconde hein, grâce à ce dépassement. Du coup... J'informe David que je prendrai peut-être contact avec lui pour avoir des interviews d'autres pilotes des EPRT du coup. Ouais, bah carrément. Ça peut être marrant. Hein. Surtout que je sais qu'il y a un pilote des EPRT qui devrait ouvrir une salle de... Il y a plusieurs pilotes des EPRT qui vont ouvrir des salles de simu, qui ont pour projet d'ouvrir des salles de simu, dans une pas très loin dans le nord du côté de chez nous, du côté d'Amiens. Si j'ai bien compris. Ah, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, en tout cas. Pilote, mais c'est ce que je t'ai dit, apparemment. Chez Ludovic a pour projet aussi dans le sud. Du coup, partager sa passion et donc du coup, proposer des stages de pilotage version sim racing, ça peut être très, très intéressant. Et de rendre justement la course automobile accessible de par le sim racing avec des simulateurs vérins, quoi, qui permettent de simuler le comportement d'une voiture. Et donc Alexandre Ducournau qui n'a pas dit son dernier mot sur Steve Chedvig. Hein. C'est vrai que pour l'instant ça tarde un peu sur eux, mais on va dire que les autres pilotes ont au moins 4 secondes d'écart entre chaque voiture, donc c'est là que se situe l'action. Et donc ça y est, l'écart se resserre entre Alexandre Ducournau et Steve Chedvig. Et ça se resserre également entre Steve Chedvig et Loïc Schitt. Donc là c'est pareil, on retrouve le duel... Des trois guerriers de tout à l'heure. C'est bien ça. Il y a un projet à Amiens de Nicolas Perret et Ludovic Ferrui à Grenoble. Comme quoi, je dis pas que des bêtises. Ah, mais on n'a pas dit le contraire. Non, mais je sais que tu veux me faire virer auprès de Gaëtan. Là, j'ai compris ta combine. N'oubliez pas, je précise, à manger des pommes, hein, c'est très important. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Encore une fois, et on va lui faire bouffer ses pommes. Parce que... Ah, il va y avoir des pépins, les gars. Ça va mal se passer. Et donc ça y est, les trois pilotes sont quasiment serrés les uns aux autres. Là, ça c'est en train vraiment de se resserrer. Avec 5 centièmes d'écart entre Alexandre Ducournau et Steve Chedvig. Et Steve Chedvig qui, ça y est, s'attaque à Loïc Schitt. Il va l'attaquer sur les prochaines courbes.
Et à titre d'information, David, Hammer et le Pumpking sont dans le nord, donc pas très loin d'Amiens aussi. Donc, du coup, j'ai fait une partie de mes études là-bas. Moi. Pareil. J'ai fait une année là-bas. Bah pareil. Licence. J'ai fait deux mois d'études là-bas et le reste de l'année pas en études. Mais j'étais quand même dans là-bas. Dans le quartier Saint-Leu. Dans le quartier Saint-Leu, exactement. Au Manhattan. Donc du coup, on aura peut-être l'opportunité de rencontrer Nicolas Perret là-bas, dans sa salle de simulation. Pourquoi pas faire une petite vidéo là-bas, hein. Bah ouais, on si va tu as contact avec lui, n'hésite pas de lui proposer, hein, David. Hein, on serait très honoré de pouvoir le faire. Et ça, c'est Steve Shelby qui est vraiment sur le X-Sheet. Oula, ça sert gros. Oula, ça est, contact entre les deux pilotes. Alors, très belle maîtrise Steve Shelby qui s'incline, hein, du coup, qui tente pas le diable, il prend pas de risque. Et là, c'est vrai que c'était tendu. Le FFSR sait se montrer patient. Et il est, quand tu vois qu'il y a un contact, qu'il a fait l'un, il attend de pouvoir percer son adversaire à jour après quelques virages. Non mais en tout cas c'était très bien joué puisque là il y a eu un gros contact, vraiment les deux étaient collés et ils ont réussi à passer le virage en même temps sans encombre et à se repositionner correctement. Donc c'était vraiment très propre. J'habite à 20 minutes de Saint-Quentin, David. Je sais pas si tu connais Shawnee. Voilà, Steve Shelby qui prend trop large et c'est du coup Alexandre Ducournau qui est sur ses talons maintenant. Ah non, c'est bon, il a réussi à se remettre, étonnamment d'ailleurs. Ouais, on pourra peut-être faire une interview physique d'un des managers des EPRT peut-être. Ah pourquoi pas. Parce qu'il est dans la même région que nous. Il est dans la même région. Le monde il est tout petit en fait. Hein. Alors qu'on est en train de commenter. Loïc Sheet qui rentre au stand. Le X-Sheet qui entre en stand certainement pour réparer après le contact. Il a dû avoir un souci avec les pneus ou avec la direction. Certainement. Manger des pommes peut-être. Et donc c'est du coup Alexandre Ducournau sur les talons de Steve Shelby. Et c'est Philippe Brigonnet qui est en train de remonter sur Rémi Gruson qui est deuxième. Petit à petit, il grappille des centièmes par-ci par-là. Il est actuellement à 1 seconde 2 de Rémi Gruson. Alors qu'on peut refaire un tour de tous les pilotes vu qu'on atteint la mi-course. Enfin qu'on a dépassé la mi-course même d'ailleurs. Philippe, donc, n'hésite pas à prendre contact avec nous via la page Facebook. Qu'on puisse parler un peu de certaines choses. Enfin, Philippe, n'importe quoi. David, pardon. Ouais, j'ai bugué. Et donc, du coup, on a Anton Mapton en 12e position. Simon Bourguin en 11e position. Mathieu Schneider, 10e. Loïc Chitre, 9e. Loïc Chitre qui, du coup, après son arrêt au stand, se retrouve 9e, alors qu'il était 6e, il me semble. Pourré Sébastien, 8e. On rappelle qu'il y a eu un contact au début après le départ et qui s'est retrouvé dernier et qui donc maintenant est 8e puisque Loïc Chitre est passé 9e après son arrêt au stand. Donc ça lui a permis à Sébastien Pourret de gagner une place. Alexandre Ducournau qui est 7e et qui est toujours sur les talons de Steve Shelby. Hein, la bataille n'est pas terminée. On est à 6 centièmes d'écart entre les deux pilotes. Damien Roux qui est 5e, qui était 2e à la base et qui est redescendu 5e. On a Guillaume Mas 4e. Philippe Brigonnet, 3e, qui est en train de remonter sur Rémi Gruson. Rémi Gruson, 2e. Waouh. Anton Mapton qui vient nous faire un 360 juste devant Steve Shelby et Alexandre Ducournau. Ah, d'ailleurs, il passe au stand, Anton Mapton. On n'a pas vu du coup parce que j'étais sur Rémi Gruson. Il a emplafonné personne, mais c'était pas loin. Il est passé en tête à queue entre les deux. Oui, d'accord. Alors qu'ils étaient pieds au plancher. Et il passe au stand, mais il s'arrête pas, donc ça doit être une pénalité, du coup. Drive through. Alors qu'on a des cadavres de plots, hein, morts sur le circuit. Et donc Brigonnet Philippe qui gagne du temps encore sur Rémi Gruson. Et donc du coup, en première place, on a toujours Ludovic Firui, qui du coup vient de rentrer son meilleur temps de la course à 2,09 243.
Voilà. Et donc c'est Brigonnet Philippe qui est bien déterminé à prendre la deuxième place. Alors qu'il reste que 18 minutes 30 avant la fin de la course. Et là on voit hein, que le circuit à cet endroit-là est assez vallonné. Il y a la petite descente suivie de la montée. Sinon la majorité du circuit est relativement plat. Et donc ça y est, Philippe Brigonnet est bien derrière Rémi Gruson. À mon avis, le dépassement va se faire dans les deux ou trois prochains virages. Ça s'écarte. Ah non, effectivement, ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Il y a une distance entre les deux quand même. Ouais, là ça y est, il se rapproche, là il est vraiment derrière. On peut pas des mêmes. Ah bah Rémi Gruson et Brigonnet Philippe. Non, on parle pas des mêmes. Ah, très bien. J'étais sur Alexandre Ducournau et Steve Chudvi. Ouais, ils ont aussi de l'écart, mais là c'est Brigonnet Philippe qui va pas tarder à dépasser Rémi Gruson, je pense. Alors là, attention, une erreur de vibreur est vite arrivée. Hein. On voit que ça. Chez les LTGP. Comment ça? LTGP, si. Brigonnet Philippe, il est chez les LTGP. C'est ce que je pensais. Les petites batailles entre PRT et LTGP, du coup. Ouais, exact. De toute façon, on avait fait une petite communication à mi-championnat, donc il y a 3 semaines, et on avait bien montré que certaines places du classement étaient très loin d'être verrouillées. Ah oui, tout à fait. Beaucoup de pilotes avaient encore leur chance, dans toutes les teams. Ah, ça prend un peu large pour Brigonnet Philippe, non, ça passe quand même. Là, il a pris du retard avec sa trajectoire, mais là, du coup, il va lui falloir au moins un tour pour récupérer... les 2 centièmes qu'il a perdu peut-être à ce moment-là, quoi. Bah il était à il était à 3 centièmes et il est à 8 centièmes maintenant, donc il a perdu il en a perdu 5 effectivement, demi-seconde, donc du coup il va falloir un tour au moins pour rattraper ce retard, hein. On voit que c'est punitif, hein, la moindre erreur, le moindre dérapage, le moindre écart, et je pense pas, parce qu'en fait on est sur un virage où il y a beaucoup de voies rapides. Si on sort très mal de son virage, on perd en trajectoire, donc du coup on dérape, la voiture a moins d'adhérence. Au moment où elle récupère son adhérence, elle va justement aller chercher sa vitesse de pointe. Cependant, bah, du coup, comme on a perdu de l'adhérence plus tôt dans la ligne droite, bah, on perd de la vitesse de pointe en fin de ligne droite, et donc du coup on perd des centièmes. Puis les vibreurs sont extrêmement traîtres, je pense qu'il suffit d'aller un peu trop vite pour attaquer et on perd vite le contrôle, donc je pense qu'ils ont voulu aussi sauver le... Enfin en tout cas Brigonnet Philippe a dû certainement vouloir sauver un vibreur. Et donc c'est du coup Alexandre Ducournau qui se rapproche de Steve Chedvi, hein, du coup il n'arrive pas à le dépasser pour l'instant. L'écart se creuse entre les deux, mais... Alors qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure de course. Oui. Donc on rappelle qu'après cette course, il y en a encore une autre en grille inversée d'une heure. Et à partir de la semaine prochaine, on sera sur Magny-Cours pour la grande finale, sur une course de 2 heures. 2 heures d'affilée. 2 heures de sueur, de chaleur, de sang, de gomme sur le truc. Des ailerons qui volent, des pare-chocs qui s'éclatent sur la piste de Magny-Cours. Et c'est là, ils vont être 4. Et du coup... ça, c'est le trailer. Et donc ça y est, hein, tous les pilotes sont passés à au moins 1 seconde de distance, donc l'écart se recreuse. Alors qu'il reste moins d'un quart d'heure de course, et effectivement, c'est... on aura une course... Tu sais comme moi, c'est pas le nombre de pilotes qui fait la qualité de la course. Ah mais on est bien d'accord, on est bien d'accord. Le championnat Tatus nous l'a démontré. À moins de 10 pilotes, ils nous ont sorti un championnat, enfin les deux dernières courses, magnifiques. Ouais, c'était assez incroyable. Qu'est-ce que je disais, un tour pour rattraper, c'est ça, hein. Bah Brigonnet ouais, Philippe, Brigonnet Philippe, il est retourné à 5 centièmes, ouais. T'as vu le degré d'analyse du Pumpkin. Il a eu que de la chance sur ce...
Donc il est repassé à 3 centièmes, ça y est, il a récupéré son retard. Tour, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Il tourne plus vite que Rémi Gruson, donc... Et donc là, on est à presque... On est à 13 minutes de course, enfin il reste 13 minutes de course. Et c'est tout à fait possible qu'il le dépasse prochainement. Là, ça va jouer entre ces deux pilotes-là, et je pense que la bataille va être rude. Parce que là, Rémi Gruson va pas avoir le choix, il va être obligé de protéger au maximum, parce qu'il n'aura pas d'autre chance de redépasser derrière. La mise sous pression, elle est quand même relativement violente, là. Ah là, la mise sous pression, elle est hardcore. Ils n'ont pas totalement les mêmes trajectoires, donc je me demande si ouais. Philippe ne fait pas exprès de se montrer dans les rétros, juste pour mettre sous pression. Surtout que... Ça pourrait être le cas. Surtout que le circuit est entouré de vibreurs, hein, littéralement. On peut pas faire autrement que de rouler dessus, quoi. Donc c'est entouré de vibreurs, carrément. Ah, ça y est, on est très près. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Les coups de pression, ils sont violents. Après, entre coups de pression et coups de pare-choc, y a que le frein qui les sépare. Hein. Ah là, c'est vraiment... C'est vraiment bluffant. Tiens, d'ailleurs, il faut savoir que quand on est comme ça mis sous pression, souvent il est conseillé d'attendre deux tours pour observer les trajectoires de la personne qui est devant. Cependant, on connaît des pilotes qui s'amusent à modifier leur trajectoire au troisième tour juste pour perturber le pilote qui est juste derrière eux. On a déjà vu ça en championnat. Et c'était relativement impressionnant d'avoir les pilotes qui ont la lucidité de faire ces manœuvres. Et on voit un petit blocage de roue de Donny Philippe. Blocage des roues, effectivement. Il est en position d'attaque, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc forcément, il doit bombarder un peu plus, il doit prendre un peu plus de risques. Je sais pas si tu vois, mais sur les roues de sa voiture, on voit la différence entre l'épaisseur de l'étrier, enfin, la largeur de l'étrier avant et l'étrier arrière. On doit pouvoir le voir, effectivement. Après, je te dis, pour le stream, j'ai dû réduire la qualité, malheureusement. Mais du coup, ça doit être quand même être à peu près visible, je pense. Mais... Normalement, hein, on l'a dit, hein, peut-être pour la finale, on aura quelque chose d'un peu meilleur. Je promets rien, justement, faut tester. Comme tu le dis, Gaëtan, effectivement, la piste est large. Mais qui dit une piste large, dit potentiellement plusieurs trajectoires selon la stratégie et selon le comportement de la voiture. Et la prise de risque est beaucoup plus facile. Et du coup, ça peut être préjudiciable. Parce que le pilote va peut-être avoir plus tendance à prendre des risques. Et des risques inutiles, parfois. Du fait que la piste soit large. Ouh, et voilà, ça y est, c'est passé. Est magnifique. Oh là là, c'était très magnifique. Beau. Et ça va passer l'intérieur. Il a piégé dans la chicane. Ouais, ouais, là il a fait une très belle manœuvre. Et ça y est, il est passé devant. Brigonnet Philippe est donc deuxième. Alors qu'il reste 10 minutes de course. Ah, magnifique la manœuvre. Très très belle manœuvre de Brigonnet Philippe. Alors, il a bien observé pendant deux tours avant d'attaquer. Hein. Il a très bien vu, il a très bien attendu le virage spécifique où il savait qu'il pourrait doubler à cet endroit-là. Alors, pour les personnes qui ont bien regardé les deux derniers tours, on voyait que Philippe décalait légèrement sa trajectoire sur cette chicane, et on voyait que Rémi Gruson restait exactement sur la même trajectoire pendant les deux derniers tours. Donc du coup, ça a potentiellement peut-être donné l'idée à Brigonnet Philippe d'attaquer plus sur l'intérieur du deuxième virage de la chicane, parce qu'il a vu que Rémi ne bougeait pas, donc ne cherchait pas à défendre à cet endroit. Pour des raisons potentielles, soit il est plus allé sur sa trajectoire, soit le réglage de sa voiture ne lui permettait pas de pouvoir défendre cet axe, par exemple. Alors après, alors, au-delà de la ligne blanche, par contre, je crois qu'il y avait deux roues sur vibreur. Après, à revoir, et puis enfin, la direction de course fera son travail. Ouais. Mais je crois qu'il y avait deux roues sur vibreur à cet endroit-là. A priori, deux roues sur le vibreur, selon les règlements, bien sûr. Ça ouais, peut tout être à fait. Considéré tout à fait. Comme acceptable. Donc après, là, après, on a vu plusieurs pilotes agir de la même façon sur d'autres virages, hein, également sortir ah vraiment ben, de large. De toute façon, c'est simple. Tous les pilotes sont sortis. Ah, tous les pilotes, ils sont tous sortis. Hein. Que sans ce soit... exception, sont sortis une fois dans le virage. Que ce soit pour dépasser ou tout simplement pour recalibrer leur trajectoire, ils ont tous mordu les quatre pneus dedans. Hein, donc, là, de ce côté-là, personnellement, je mettrais tous les pilotes dans le même sac. Hein, parce qu'il y en a soit effectivement, faut pénaliser tout le monde, soit on choisit de pénaliser personne. Mais là, c'est Brigonnet et Philippe n'est pas le seul à avoir doublé de cette façon. Donc je pense pas qu'on peut vraiment lui porter préjudice. Après, voilà, ça reste...
Enfin, nous, on peut pas juger de ça, du coup. Là, mais... c'est pas nous qui prendrons la décision. Hein, c'est la direction de course qui fera son travail, qui fait très bien son travail depuis le départ. Donc. Non, c'est un championnat qui est quand même relativement bien organisé. Hein. C'est vrai que tous les pilotes sont écoutés sur les conditions de. Non, mais après l'avantage, c'est qu'il y a aussi des personnes qui partagent leur expérience. Exactement, de David qui partage aussi son expérience donc en tant que manager des EPRT. Qui a eu la chance de voir énormément de championnats et donc du coup qui partage son expérience aussi, c'est une très bonne chose. Hein. Là, ouais. c'est vraiment dit au titre informatif, c'est aussi très intéressant, il faut le préciser. Ah oui, tout c'est à fait. C'est pas des critiques pour critiquer, c'est des informations pour que ça soit constructif et pour que tout le monde sache comment ça peut se passer ailleurs. Faut le dire des deux côtés. Exactement. Et donc, Guillaume Masse qui est en train de remonter sur Rémi Gruson, qui est toujours à une bonne distance de Brigon et Philippe, donc rien n'est perdu pour le moment. Une erreur est vite arrivée. Et donc là, on a une bataille pour la troisième et la seconde place entre les trois pilotes. Okay, je pense que David, ça peut être l'opportunité de faire une réclamation pour le coup. Une réclamation et le jeu Gaëtan qui est présent dans le chat qui va faire la direction de course, j'imagine pour ça. Analysera la réclamation sans aucun problème. Là, de ce côté-là, j'ai aucune inquiétude. Oui, tout à fait. Et donc, on a la Mystery Machine qui est juste devant eux. Oui, effectivement, ouais. Anton Mapton, qui est donc 12e toujours. Il est toujours en train de déprimer parce qu'il n'y a pas d'herbe sur sa pile. Et donc, Rémi Gruson, hein, qui est juste derrière Brigon et Philippe, hein, moins d'une seconde. Ça va être une belle fin de course, je pense, entre les trois pilotes. Ouh, il y a une voiture en travers, ouais, c'est quoi ? Mathieu Schneider. Ah non, mais attends, la course, elle est finie, non ? Non, il reste 7 minutes. On en est à combien ? Il reste 7 minutes. Ah, donc il y a bien une voiture en travers, j'ai pas dit de bêtises. Oui, il y a bien une voiture en travers, oui. Rémi Gruson qui a perdu un peu de temps, Guillaume Masse qui en a gagné. Il va y avoir une petite erreur de trajectoire. Donc là, on a un écart similaire entre les trois pilotes. Ils sont à une seconde dix. Je pense effectivement qu'on va avoir droit à une fin de course assez impressionnante. Ça va se jouer à la prise de risque. Alors que tous les autres pilotes ont bien 4 secondes d'écart entre chacun. Ludovic Ferrui qui vient encore d'améliorer son temps. Hein. Ludovic Ferrui qui est passé à 2.08.617 en temps. Cette trajectoire, c'est une leçon de pilotage. Hein. Ah, non, c'est... Sur sa caméra, les trajectoires, c'est une leçon de pilotage. Et je pense même que là, on peut se permettre de faire un tour embarqué avec lui. Juste pour admirer en caméra TV ses trajectoires. Alors, le problème, c'est qu'on a Guillaume Masse et Rémi Gruson qui sont en train de se battre. Priorité au direct, monsieur. Priorité à la bataille, au pire. Ludovic Ferrui, on a encore une heure de course derrière pour faire un tour avec lui. On a déjà fait deux ou trois tours embarqués dessus depuis le début. Par contre, il s'est amusé à faire une caméra sur un peu plus... Et enfin, ça y est, blocage de pneus pour Rémi Gruson. Ça sort large. Et du coup, Guillaume Masse s'est passé. Je me suis amusé à regarder les caméras rapidement de tous les pilotes. Effectivement, hein, ils sont beaucoup à mettre... Deux roues sur vibreur, certes, mais en dehors de la ligne blanche. Bah là, on voit encore au loin, on a vu encore un qui est passé les quatre roues dessus. Hein. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, sur ce circuit-là, il y a eu énormément de problèmes, même dans la réalité, sur les limites de piste. Je t'avais dit entre les pilotes américains et les pilotes européens, qui n'avaient pas la même notion de limite de piste et qui l'appliquaient différemment. Et je sais qu'il y avait eu des débats, alors j'ai pas suivi, après je sais pas où ça en est, ce qui a été décidé. Mais suivant les catégories de voitures, les courses et les championnats, il y avait des limites différentes sur ce circuit et sur d'autres, je crois. Australie aussi, je crois, il me semble. Et du coup, voilà. Je sais pas où Après, ça peut être sur l'Australie, parce que du coup, avec les supercars V8, l'équivalent du NASCAR. C'est possible que ce soit ça, ouais. Un petit blocage de roue pour Rémi Gruson. Ouais.
Donc Rémi Grison qui est passé, hein, du coup. Et Steve Chédeville qui est à 61 secondes derrière Rémi Grison. Donc il y a plus d'une minute qui sépare le 4e et le 5e de la course. Donc là, on a vraiment un peloton de tête 2, 3 et 4. Parce que Ludovic Firuy, à mon avis, a dû mettre un tour déjà depuis longtemps à tout le monde. Et après, on a le reste de la course avec une minute d'écart avec le premier. Et 2 donc, minutes 08 617, il est quasiment à son temps de qualif, Ludo. Mmh. Tout à fait. Et là, plus ça va aller, et plus il va perdre de l'essence, donc il va potentiellement encore améliorer. Alors qu'il reste 3 minutes de course. Alors que notre huissier de justice nous indique que les votes sont toujours à zéro. Donc classement toujours serré, hein. Le vote du meilleur pilote est toujours possible, hein. N'hésitez pas d'envoyer le numéro du pilote 71313, hein. 150 euros, le SMS, le SMS. Et donc ça y est, l'écart se recreuse entre tous les pilotes, on arrive à la fin de la course et à mon avis ça y est, les dépassements n'auront plus lieu, je pense que le classement va se figer. On a Guillaume Mas qui remonte pas trop mal. Hein. Bah, il remonte pas trop mal, mais il est encore à un peu moins de 2 secondes. Donc c'est possible, hein, une erreur de Brigonet Philippe et tout bascule. Hein, mais ce sera à voir. Ma vie a changé en un freinage. N'hésitez pas à témoigner sur vos freinages ratés au 7-13-13. Nos psychologues sont là pour vous entendre. Eh bah, ben, prends rendez-vous alors. J'ai raté mon point de freinage là, dans la chicane, ça m'a traumatisé, donc du coup maintenant la chicane je la passe tout droit. Ça, c'est du témoignage. Et donc effectivement. Il a gagné deux. DNF de Damien. Ouais, Damien Roux, DNF, abandon. Il vient de DNF. Abandon, ça vient d'arriver. Une 33, ouais. Et sa voiture a l'air encore en état de rouler, donc est-ce que ce serait pas une pénalité du coup qu'il a... Est-ce que ce serait pas une disqualification directement? Une disqualification ou une déco ou... Ah, une déco, ouais, peut-être une déco, ouais. Ça peut arriver voilà, aussi. Ou peut-être une cheville cassée, une barre stable qui a lâché, peut-être un piston qui est passé à travers le flat 6, peut-être. Et donc Guillaume Mas voilà. Qui est donc à une seconde de Philippe. Dis-le si on t'embête. Ah non mais là, je pique du nez, c'est une horreur. Ah bah tu étais survireur. Ouais. Quand le nez de la voiture est plus bas que l'arrière, potentiellement un profil survireur. Voilà. T'es le survireur ce soir, Rameur. Exactement. On en dit des bêtises quand même. Ah, surtout toi. Ah oui, surtout moi, ouais. T'es en train de griller toutes tes chances. Et donc, l'écart se réduit pas. Hein. Donc là, je pense que ça va finir. Il va bientôt rester que 10 secondes. Et hop, ça y est, on est passé sous la barre des 10 secondes. Et donc, c'est Ludovic Firuy qui va déterminer le nombre de tours restants. Fini. Et donc ça c'est y est, fini. C'est terminé. Clôture son tour et c'est fini. Il clôture son tour et voilà. Et donc le classement s'est figé du coup. On va avoir par contre, question bête. Que Hampton Mapton va réussir à récupérer son retard sur Damien Roux et donc prendre la 11e place. Ah. Normalement, il peut. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Bah il l'a fait d'ailleurs, ça y est, non? Ah non. Non, j'ai pas vu. Encore fait. Mais oui, c'est possible. Il est en train et il vient. Non. Après la 11e place, tu gagnes pas de points, donc ce sera, quoi qu'il arrive, ça changera rien. C'est pour la beauté du sport, monsieur. Et donc ça y est, Ludovic Firuy est sur la ligne d'arrivée.
Et on le voit, hein, il fait son traditionnel burn. Burn, ouais. Voilà. Il est en plein zigzag et burn out. Voilà. Il nous fait un burn out. Et donc, premier, Ludovic Ferrui. Deuxième. 6 ans de Sim Racing pour ça. Deuxième, Ludovic. Deuxième, Brigonnet Philippe. Ah, peut-être pas. Si, si, c'est bon. Guillaume Mas n'aura pas réussi à le dépasser. Troisième, Guillaume Mas. Ouf. Oh, c'est pas passé loin. Ils sont passés à un poil de d'orang-outan. Rémi Gruson, quatrième. Oh là là là, ce... Oh, la marche arrière. Ce 180 maîtrisé du feu de Dieu. Alors, Guillaume, apparemment, repasse troisième au championnat, du coup. Ah, pas mal. Steve Chedvi, cinquième. Sébastien Pourré, sixième. Loïc Chitre, septième. Alexandre Ducournau, abandon. Simon Bourguin, neuvième. Dixième, Mathieu Schneider, Damien Roux, onzième. Et douzième, Anton Mapton. Mais il y en a qui ont abandonné pendant le dernier tour. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview... de Ludovic Ferrui. Hein. Je remets le lien dans le chat. Hein. Vous pouvez l'écouter pendant la pause. C'est aussi une très belle berceuse pour les enfants. Si jamais ils ne dorment pas. Soit hypnotisé sous le son de ma voix. Hein. Nous allons passer sur une petite page de pub. Donc effectivement, on va attendre que tous les pilotes soient revenus et on va faire une petite pause avant la deuxième course, donc entre 10 et 15 minutes, il me semble, c'était ça les longueurs de pause. On relancera le stream dès que ça reprendra. Il me semble ça reprend direct les qualifs. Non, ça reprend direct la course, je crois. Mais non, oui. Calife, non mais Boone Calife, on peut y inverser. Non mais là, oui, non, mais... c'est celui qui fait le meilleur. Je refuse de travailler dans ces conditions. Panne d'essence pour Alexandre. D'accord. En fait, la grille inversée sous Calife, c'est le meilleur temps qui part dernier. En fait. Elles vont être lentes, ces Calife. Et donc, on se dit à tout à l'heure pour dans quelques minutes pour la suite du. La suite du championnat, la suite de la deuxième course de cette soirée. Be continued. Yeah.
never talk like this. Hook up the boys and the boogie, don't know me they look at my being in class. Pull from the Henny, I drink in a drown. Daytime in a compliment, ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. All about humanity.
it's all about humanity. Et nous revoilà donc pour la deuxième course de cette soirée, donc l'avant-dernière manche du championnat de France Flat 6 Team E-Racing en Porsche Flat 6. Donc on a eu une première course assez, on va dire, mitigée sur les batailles. Il y a eu des batailles, mais beaucoup d'écarts entre les pilotes, dû au fait que le circuit soit un circuit rapide et avec des longues lignes droites, ce qui fait que les pilotes ont pu prendre leur distance. On a eu quand même quelques batailles sympathiques. Donc un classement qui a eu des rebondissements sur la dernière partie de course. Et également, du coup, Ludovic Firlui qui a fini en tête, comme à son habitude sur les courses. Donc là, les pilotes sont encore en pause. On reprend dans une minute, normalement. Et donc là, c'est sur une grille inversée. Alors, on a été assez surpris du départ de la première course, puisque c'était un départ extrêmement rapide. Il s'est effectué, les voitures sont très vite montées dans les hautes vitesses et ont enchaîné les virages de la chicane dans la foulée.
Et donc c'était un départ très propre. Il y a eu un carton et du coup un pilote qui s'est retrouvé dernier. Mais il a réussi à remonter un peu. Alors donc là, je vous avoue qu'on a un peu peur pour la grille inversée, étant donné que c'est un départ extrêmement rapide et que les pilotes les plus rapides seront derniers. Il risque d'y avoir quelques problèmes. Normalement, il n'est pas censé y avoir de restart, puisqu'il y a eu déjà un restart sur une des courses et il a été décidé qu'il n'y aurait plus de restart sur les prochaines. Donc à voir si vraiment tous les pilotes se mettent dans le décor, il y aura certainement un restart. Mais autrement, ce sera tant pis. Donc faut espérer que ça se passe du mieux possible. Et dans l'idéal aussi bien que le premier départ. Ce sera à voir. Normalement, les pilotes sont censés faire attention. Ils le savent, ils sont conscients de ça. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Moi, je t'ai dit que tant que tu mettais pas des effets de trompette, je commenterais pas. Ah, il faut que je les trouve, les effets de trompette aussi. Hein. Moi, je veux un accueil en grande trompe. Sinon, je pas. Il va nous faire tous les jeux de mots avec les trompettes et tout maintenant. J'ai décrété que je ferais ma princesse ce soir, tant que j'ai pas les trompettes. C'est Pam Queen, du coup. C'est ça. Moi, je fais grève. Et donc, on est toujours sur le Paul Ricard, du coup. Hein, pour la... Je vais faire le plot. Voilà. Pour une course d'une heure. Je vais faire le plot. Ma photo de profil, ça va être un plot. Oh là là. Et donc là, on a Mathieu Schneider sous les yeux. Mathieu Schneider qui a fini je sais plus combien. On va regarder les résultats de la première course. Donc, Ludovic Firoui premier, Brigonnet Philippe deuxième, Guillaume Mas troisième, Rémi Gruson quatrième, Steve Chedeville cinquième, Sébastien Pourré sixième, septième Loïc Chitre, huitième Alexandre Ducournau, neuvième Simon Bourguin, dixième Mathieu Schneider, onzième Damien Roux qui a donc abandonné et douzième Anton Mapton. Voilà pour le classement de la première course. Et donc la deuxième course devrait pas tarder à commencer, parce qu'il est déjà 26, le temps que tous les pilotes soient prêts. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, la page Facebook, tout se trouve en description, la chaîne Twitch du Pumpkin qui retransmet habituellement la course sur Twitch. Vous avez également sa page Facebook dans la description. Il a également mis dans le chat le Facebook pour l'interview. Je crois que c'est l'interview. C'est ça. Donc dans le chat, vous retrouverez ça. Et vous avez également dans la description toutes les infos concernant les pilotes. Vous avez chaque pilote avec un lien dans la description qui vous redirige sur les résultats. Et vous avez également le site internet Flatsys Team Esport qui fait la totalité des statistiques et des résultats de la course et du championnat. Donc n'hésitez pas à aller les voir également. Et donc on se retrouvera après cette course le 28, donc mardi prochain si je ne me trompe pas, yes. pour la finale, la grande finale de ce championnat qui se passera sur Manicourt, donc une course d'endurance de 2 heures, donc avec les mêmes voitures et donc du coup ça risque d'être assez impressionnant du fait de la faible quantité de réservoir au final que contient la voiture et l'usure... L'usure excessive des pneus et apparemment des freins qui sera effectif sur un Manicourt. Apparemment, ça va être assez dur. La voiture est de base très dure à piloter de toute façon. Et donc voilà, on a pu voir au fil de ce championnat que les pilotes se sont appropriés la voiture et il y a beaucoup moins d'erreurs qu'au début. Et là, c'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on a eu une pause, qu'il n'y a pas eu de course. En raison du 14 juillet. En raison du 14 juillet, effectivement. Et du coup, effectivement, il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça, hein, même après 3 semaines de pause. Ça s'est maintenu. Ils ont eu le temps pour s'entraîner quand même. Ils ont eu le temps pour s'entraîner, mais on aurait pu. Là, ils n'ont pas d'excuses, les enfants. Non, papy Pump se serait énervé. On aurait pu penser qu'après 3 semaines, ils auraient perdu un peu. Mais finalement, non, hein, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de gros dégâts. Il y a eu quelques cartons ici et là, mais rien de grave en tout cas. Donc c'était une course assez plaisante à voir. Pas énormément de batailles, mais quand même relativement cool. Donc on attend de voir ce fameux départ du coup, qui risque d'être impressionnant, je pense. Ça y est, la grille de départ est placée. Hop, hop, je vous remets
tout comme il faut. Voilà. Et donc c'est Anton Mapton qui part premier, suivi par Damien Roux, Alexandre Ducournau, Mathieu Schneider, Simon Bourguin et Loïc Chitre en 6ème position. Et ça va démarrer. Non, c'est un peu long à démarrer. C'est juste ça. Non, crash ou pas crash. Ah, tu parles de la. Je pensais que tu parlais du jeu. Boum ou pas boum. Tu peux en faire comme ça. Et ça y est, c'est parti. Anton Mapton en tête. Damien Roux second. Ah, ça bouge plus qu'au premier, en tout cas, qu'au premier départ. Mathieu Schneider qui va tenter tout de suite de prendre la deuxième place. Damien Roux aussi. En tout cas, un départ sur la ligne droite encore propre, comme au premier départ. Pas de carton pour le moment. Oh, ça y est, carton entre Damien Roux et Alexandre Ducournau. Mais ça va, ça s'est bien passé. Ils sont à 4 de front, les gars, ils ont peur de rien. Ils sont à 4 de front, il y a un énorme paquet. Anton Mapton a pu prendre son envol et il y a un énorme paquet qui le suit. C'est le monde à l'envers. Exactement, Anton Mapton qui a fini dernier à la course juste avant. Qui est en train de prendre la distance, mettre la distance. Et voilà, les premières erreurs commencent à se faire. Un coup de pare-choc de Damien Roux sur Mathieu Schneider. Ça va, il n'y a pas encore une grosse sortie par rapport à... Non, mais là, c'est vachement cool. Hein. Ils sont tous entassés, c'est vachement impressionnant. Il y a des belles sorties de piste quand même, là. Ah bah oui, bah forcément. Ils sont à 3000 de front, là. Et donc... Ça y est, voilà, il y en a qui viennent sortir. C'est sorti. Brigonnet. Ouais, Brigonnet Philippe qui a fini second à la course de tout à l'heure. Alors, je suis pas surpris que ça ait sorti à cette chicane-là. Franchement, je suis pas étonné du tout. Et du coup, c'est Damien Roux qui prend la deuxième place et qui va remonter sur Anton Mapton. Simon Bourguin, la troisième place. Ça sort large. Et c'est Steve Chédeville qui va certainement en profiter. Avec Guillaume Mas qui est sur les talons de Steve Chédeville, suivi de très près par Rémi Gruson. Voilà, ça tente l'impossible, hein, j'ai l'impression, sur cette première partie de deuxième course. On est sur un gros paquet de pilotes là. Hein. Ils ont du mal à s'extraire. On a trois pilotes de la team EPRT qui se suivent et qui essayent de passer entre les mailles du filet. Et ça y est, les pilotes sont remontés sur Anton Mapton avec Simon Bourguin qui tente de dépasser Damien Roux. C'est passé. Non, c'est revenu apparemment. Simon Bourguin. Anton Mapton qui, à mon avis, va se faire dépasser après la ligne droite de l'arrivée. Ça, on est sur la ligne droite des stands, là, ouais, ça. C'est ça, oui. Ah, non, il... confirme votre information géographique. Ah, ça touche encore, ça prend les poteaux. Anton Mapton qui est toujours en tête. Simon Bourguin et Damien Roux qui se tirent la bourre alors que... Qu'un EPRT en profite et ça sort. Ça sort pour Rémi Gruson. Rémi Gruson qui a tenté un dépassement et qui s'est frotté à... Ah, ça y est, Steve Chédeville dehors également. Alors, on commence à sentir la fatigue. Hein. Je pense que la concentration de la première course n'est plus de mise. C'est un peu plus fouillis que tout à l'heure. Le petit train EPRT. Exactement. C'était exactement ça. Ils se suivaient tous les trois. Le train de la Somme. Coutou. Bon, malheureusement, la locomotive a déraillé. Oh là là, mais les EPRT se font sortir un par un. Ça y est, Simon Bourguin. Simon Bourguin se frotte à la carrosserie et malheureusement, on paye les pots cassés. Il y a Guillaume Bas, je crois, qui s'est fait démolir. Ah, mais là les EPRT, ils se sont fait massacrer. Ouais, le wagon de tête, il se fait démolir. Ouais, là, il n'y a pas eu de pitié. Alors, je suis en train de regarder justement le. C'est Damien Roux qui, du coup, a subi quelques coups également, mais qui est toujours debout. Suivi par Ludovic Ferrui qui est troisième. Ludovic Ferrui qui est le survivant de cette grande bataille. De ce grand. Ah oui, c'est Simon et Guillaume Mas qui se sont touchés. Ouais, exactement. Et donc, du coup, Simon a commencé à sortir de la piste et Guillaume Mas lui est rentré dedans, il me semble. Non, c'est Simon qui a mis Guillaume dehors apparemment. Ah bon ? Ce que j'ai vu, et donc du coup après c'est Ludo qui a fini Simon pour la vengeance EPRT.
Donc Ludovic Ferli qui est troisième. Et donc ça y est, Damien Roux est passé premier. Et Anton Mapton du coup est second. Et il va bientôt passer troisième, je pense. Voilà, ça va être fait là dans cette... D'ici l'heure qui suit. Voilà, d'ici là, oui, d'ici l'heure qui suit forcément. Mais d'ici les prochaines secondes, je pense. Avec Rémi Gruson qui est également sur le pas de tir. Ah, carrément, le mec, il est missile enclenché, pas de tir, quoi. Ah bah là, Steve Chidvi... Oh, ça reprend un poteau pour Mathieu Schneider. Les poteaux font un bruit quand ils les prennent, là. En même temps, faut les rendre, hein. C'est pas leur budget. Ça dépasse pour Guillaume, ça dépasse sur Alexandre Ducournau. Ça y est, les EPRT reprennent les choses en main. Le classement va mettre un petit peu de temps avant de se remettre dans l'ordre naturel des choses, on va dire. Et c'est vrai qu'une grille inversée comme ça offre un début de course assez spectaculaire et assez intéressant. Puisque ce sont les dépassements des pilotes les plus rapides qui font le spectacle en fin de compte. Alors c'est vrai que là pour le coup il y a eu pas mal d'erreurs et pas mal de cartons entre les pilotes sur ce début de course. Mais voilà, au moins ça nous fait de l'action. Et donc c'est Ludovic Ferri qui est dans l'aspiration de Damien Roux, qui va tenter le dépassement dans pas longtemps, avec Rémi Gruson qui espère bien en profiter. Et là on a une belle tête de peloton, comme on pourrait dire. Pardon, parce que t'avais fini ta phrase correctement, parce qu'une belle dette. Ouais, non, là, je t'avoue, je sais même plus ce que je dis. Hein. Je suis tellement fatigué. Belle tête de Delco, quoi. Alors, on a un beau duel entre Ludovic Ferri et Damien Roux, Rémi Gruson juste derrière. On va certainement pouvoir observer le dépassement de Ludovic sur Damien depuis Rémi. En tout cas, tous les pilotes sont vachement plus resserrés que tout à l'heure. Hein. Ils sont tous à moins d'une seconde les uns des autres. Donc ça fait du sport. On peut voir qu'il y a pas mal de duels ici et là. Et c'est donc Sébastien Pourré qui remonte, hein, qui était parti dernier, enfin qui s'était retrouvé dernier sur la première course, qui avait remonté. Et là, il est en train également de remonter de nouveau. Et ça va doubler dans pas longtemps, hein, pour Sébastien Pourré. Ça y est, ça tente l'écart. Et ça y est, ça double. Ça reprend l'intérieur et ça coupe, c'est bon. C'est passé pour Sébastien Pourré. On a Rémi Gruson qui se rapproche de plus en plus de Ludovic Ferri et de Damien Roux. Guillaume Masse également qui va passer Steve Chedvi dans pas longtemps. Et qui va aller pouvoir rejoindre ses camarades. Et ça y est, ça passe. Contact entre Guillaume Masse et Steve Chidvi. Et ça profitera à Guillaume Masse. Et donc on va être... Ah, sortie de route pour un des EPRT, Rémi Cruzon, je crois. Et donc là, on part littéralement sur un règlement de compte de Damien Roux. Hein. On a les trois EPRT qui le suivent. Alors que... Ouais, Ludo, voilà quoi. Il est remonté. Ouais, bah il est remonté. Il a pas encore dépassé. Hein. Je pense qu'il essaye de garder de prendre le rythme et de... Il attend l'erreur et il profitera au moment opportun, je pense. Il aime bien mettre sous pression, hein. C'est exactement la stratégie qu'il a fait avec Guillaume Masse. Anton Mapton qui essaye de se débarrasser de
Cet adversaire derrière, il est vraiment dans le... Dans le tas de pilotes, là. Oh, ça, oh, c'est très joli, ça. Il vient de passer l'intérieur de Sébastien Pourré à une vitesse. Sur la chicane, il a doublé tout le monde. Ça me perturbe le dessus de Formule 1, là, sur la voiture des EPRT, là. Le dessus de Formule 1? Tu vois, là, le dessus, le petit truc qui dépasse. Attends. Sur, au-dessus de, du pare-brise. Il y a une pièce qui dépasse. Ouais. On dirait comme le truc des Formule 1, là. Ah, peut-être. L'arceau de sécurité, t'as l'arceau devant et t'as l'arceau au-dessus. Ah, oui. Mais oui, d'accord. Oui. Je vois de quoi tu parles. Mais c'est le comment on appelle ça, l'essuie-glace. Non, je parle du... Regarde la voiture de Ludovic. Il y a un espèce d'arceau au-dessus. Si la voiture elle se retourne, elle se pose sur l'arceau, pas sur le toit. Regarde, il y a un petit truc qui dépasse en forme de T. Ah, j'ai pas fait gaffe. Si tu te mets en vue TV, tu verras sur... Ah, oui, exact. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors que t'as pas ça sur l'autre voiture, t'as vu ? Ouais. Et donc Simon Bourguin sur les talons de Sébastien Pourré. Donc là, on a quatre pilotes. Sébastien Pourré, Simon Bourguin, Anton Mapton... Et Brigonnet Philippe qui se suivent. On a également Alexandre Ducournau qui est juste derrière. C'est la caméra de la voiture, apparemment. Il n'y aurait que les EPRT qui auraient la caméra de voiture, du coup. Bah, ah non, il y en a, ils l'ont pas. Ouais, il y en a, ils l'ont pas. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que Ludo, il est plus rapide. il a un meilleur point aérodynamique grâce à ça. Il nous a pas tout dit. Je pense que ça freine plus qu'autre chose. Mais... Ouais, ça donne de l'appui. Lui qui aime bien une voiture survireuse, ça donne de l'appui à l'avant, c'est tout. Et donc Ludovic Firoui toujours sur les talons de Damien Roux. C'est une option esthétique, d'accord. Oui, parce que tu vois, tous les EPRT l'ont pas. Il y a bien une tronche de petit aileron quand même, le truc. Hein. En tout cas, David, sois content. Le petit train EPRT s'est reformé. Ah, la queue. Et ça y est, Ludovic Firuit dépasse. Rémi Gruson qui va essayer d'en profiter. Non, ça n'a pas fonctionné. Non, le shérif attend avant de tirer. En tout cas, on a 3 EPRT impatients de dépasser. Le shérif observe le gangster avant de passer devant. Alors qu'on a presque atteint le premier quart d'heure de course. Voilà, ça se suit, l'écart se rétrécit entre les 4 pilotes. Oh, ça dérape un peu pour Ludovic. On va aller voir ce qui se passe un peu ici. Brigonnet Philippe qui est au talon de Sébastien Pourré. Simon Bourguin juste derrière. Ça bouge pas mal ici apparemment. On a vraiment plus de batailles que la première course. Avec des pilotes qui sont vachement plus près que tout à l'heure. Oh là là, sortie de route pour Sébastien Pourré. Avec Brigonnet Philippe, une touche et c'est le tête à queue pour les deux pilotes. Alors que les trois devant, ils se suivent tous. Hein. Mais ouais, quand ouais, tu ouais. dis qu'ils se suivent, c'est pare-choc comme dans pare-choc qui est lui-même dans le pare-choc qui est dans le pare-choc de l'autre. Ouais, tout à fait. Brigonnet Philippe et Sébastien Pourré ont été trop gourmands. Ils ont pris trop de risques. En tout cas, on a une tête de peloton qui est
Ah, ça y est, ça se décale. Ça va tenter le dépassement. Non. Ouh, ça croise. Ah, ça prend l'intérieur. Oh là là. Oh, le contact. Contact. Eh oui, il a pas dû le voir. Il a d'abord pris gauche, puis là, il s'est rabattu à droite. Ah, du coup, la manœuvre, elle était très tendue. La manœuvre celle-là. C'était très osé et surtout, à mon avis, Damien Roux ne l'a pas vu. Il pensait qu'il a dû voir le déboîté à gauche. Et du coup, il n'a pas dû le voir sur l'intérieur. Ah, là, clairement, c'était tellement rapide, les trajectoires étaient tellement incertaines que je serais bien curieux de voir le ralenti, pour être franc. Ah bah, ça c'est clair, c'était là, magnifique, alors, attends, mais en même temps très risqué. Hein. Et du coup, c'est Ludovic Ferrari qui passe en tête. Ah oui, non, là c'est compliqué. Damien Roux qui sort. Alors, et donc du coup les trois EPRT en tête. Je suis curieux d'avoir l'analyse de la direction de course, mais là c'est tendu à analyser, hein. Franchement, c'est très tendu à analyser. En tout cas, c'était très beau, mais c'est vrai que c'était très très osé, hein. C'était parce qu'en fait, j'ai l'impression que Damien Roux n'avait pas assez de place pour manœuvrer juste après, donc je sais pas, c'est une impression, je sais pas. C'est pas un fait, ce que je dis, c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'il avait pas assez de place pour redresser sa trajectoire. Comme si ses freins étaient bloqués. Je pense qu'il a dû le voir se décaler à gauche et du coup il a dû penser qu'à droite c'était bon pour protéger l'intérieur. Et Ludovic Ferrari a dû changer d'avis ou alors a dû le feinter exprès. Mais il a feinté et en fait quand il a freiné, il y a eu un blocage de roue, donc transfert de charge vers l'avant. Donc du coup lui il pouvait plus manœuvrer sa voiture. C'est possible. Ouais. Alors que Ludovic Ferrari pouvait encore la manœuvrer. À ce moment-là, donc je sais vraiment pas du tout, mais enfin, analyser, ça va être chaud. Franchement, analyser, ça va être compliqué. En tout cas, c'était une très belle action. Et du coup, on a les trois EPRT en tête. Et ça va certainement être le cas sur le reste de la course. Alors, pour le coup, je veux pas être à la place de la direction de course. Oh là là, gros carton entre Loïc Chitre et Simon Bourguin. Loïc Chitre l'a traîné, on aurait dit une moissonneuse-batteuse. Quentin Mappen a décidé de récupérer sa dernière place. On n'a pas pu voir exactement à quel moment l'impact s'est produit, mais on est arrivé sur le moment où le règlement de compte était en train de se faire. Beaucoup de cartons, hein, sur cette deuxième course. Je pense que la fatigue se fait ressentir, la grille inversée a dû faire son effet également. Et la concentration doit être un peu baissée depuis la première course. On a eu une première course relativement propre et c'est vrai que là la deuxième course c'est un peu brouillon. Il y a des manœuvres un peu désespérées, j'ai l'impression. Des manœuvres désespérées, risquées et osées en tout début de course. Hein. On va atteindre les 20 minutes de course seulement, il en reste 40 encore. Et on a déjà des pilotes qui attaquent fort. Ça veut jouer les points avant la finale, à mon avis. Ça veut en découdre vite et rapide. Ce qui veut dire exactement la même chose, désolé. C'est des synonymes. Mais ouais, là, c'est à la fois spectaculaire et à la fois... certains choix sont difficiles à comprendre. Incompréhensible. Ouais, c'est ça. C'est dur à comprendre. On a du mal à se dire qu'en début de course, on ait des actions aussi risquées, quoi. Après, bon, le problème, c'est que quand tu mets sous pression, que tu es toi-même sous pression... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, franchement, l'action qu'on a vue avec les quatre vieux pilotes de tête, là, je ne saurais pas la décrire. Elle est vraiment complexe, elle demande vraiment une analyse. Hein. Bah, c'était très beau. En sim racing, on n'a pas l'habitude de voir des manœuvres comme ça. Mais après, là, sur le contact, je ne saurais pas dire. C'est vraiment particulier. Enfin, là... Bah, ça doit être un mélange de plusieurs choses, à mon avis. Hein. Il doit y avoir plusieurs paramètres. Tout ce que je peux te dire, c'est que la voiture, Damien Roux, il avait fait un blocage de roue sur le freinage. Donc du coup, il ne pouvait plus du tout bouger sa trajectoire. La voiture, elle était en sous-virage. De toute façon, on aura le compte-rendu pour la finale. Hein. On saura si effectivement il y a eu une pénalité quelque part ou en tout cas le dénouement de l'histoire. En tout cas, ça y est, hein, les pilotes commencent à retrouver leurs écarts, à part Simon Bourguin qui est en train de remonter sur Sébastien Pourré. Et donc ça remonte vite, hein, il est à moins de 10, à moins de... Merde, comment on dit,
Oh là là, j'en peux plus. À moins de 7 centièmes, pardon. Bonne nuit, les enfants. Ah là 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 là, il reste 40 minutes, vous risquez de me perdre avant. Oui, c'est peut-être le moment d'un tour embarqué. Donc apparemment, en tout cas, la direction de course, pour le moment, n'a pas d'avis. Clairement, ça, là, si je peux mettre mon petit grain de sel sans donner de truc. Hein, parce que j'ai la chance de pouvoir d'avoir pu discuter avec énormément de directeurs de course. Là, concrètement, il faut savoir que la voiture qui était devant avant, si je ne me trompe pas, c'est la voiture de Damien Roux. Il avait le pare-choc avant l'entrée du virage. Au moment où il a fait son blocage de roue, il ne peut plus changer sa trajectoire. Donc après, c'est de regarder le volant intérieur de chacun pour savoir s'il y a une manœuvre pour redresser la voiture ou pas. Ou si le volant est resté pareil et qu'il y a eu un contact en vue intérieure. Je sais qu'habituellement, ils regardent en vue extérieure, ils analysent les trajectoires extérieures. Et quand ils n'arrivent pas à ressortir quelque chose de trajectoire extérieure, ou du comportement de la voiture, ou ils regardent quand les feux arrière s'allument ou autre, ils s'amusent à regarder, façon de parler, ils s'amusent, hein, c'est un peu leur taf, quoi, mais à se mettre en vue intérieure pour regarder comment sont dirigés le volant des pilotes, pour voir si jamais il y a eu justement une manœuvre pour éviter, ou pas. Ce qui fait que s'il y a une manœuvre pour éviter, on appelle ça un fait de course, s'il n'y a pas de manœuvre pour éviter, c'est assujetti à sanction. C'est des trucs, enfin c'est les décisions souvent que prennent les directeurs de course où voilà, si on cherche pas à manœuvrer, c'est considéré comme on n'a pas vu, soit c'est volontaire, mais du coup c'est plus un fait de course mais assujetti à réclamation. Alors que si on a cherché comme le dit Gaëtan, il y aura une analyse que si il y a une réclamation de course. Et je pense qu'il n'y en aura pas, étant donné que Damien Roux Damien Roux n'est pas sorti du fait de cette action, il est sorti après, lorsque l'action est terminée. Je donne juste l'information pour les personnes qui regardent et qui ne savent pas forcément comment sont analysés un contact. Voilà un peu les éléments qui sont regardés. C'est pas cette action qui a pénalisé Damien Roux dans la course, de toute façon. Donc c'est... Ah non, mais là, c'était juste le bon exemple pour dire, si t'es directeur de course, une personne qui regarde et qui a envie de faire direction de course, l'approche, elle doit être normalement comme ça. Après, il y a d'autres subtilités, mais c'est l'approche la plus répandue. En tout cas, c'est Loïc Chitre qui est en train d'attaquer Mathieu Schneider, là, actuellement. Ça part en intérieur, ça dérape pour Loïc Chitre. Oh là là, est-ce que ça met... Oh, c'est quand même bien maîtrisé. Et ça passe, du coup, ça a doublé en drift, littéralement. C'était Need for Speed, là, qu'on vient de voir. Qui est aussi un grand jeu de simulation. Qui est également un énorme jeu de simulation. D'ailleurs, on nous a dit que la Flat 6 Timmy Racing se consacrerait uniquement désormais aux courses et aux championnats du monde. De l'univers de Need for Speed. Et donc, du coup, ce sera bientôt, avec obligation d'achat pour tous les joueurs des passes premium et j'en passais des meilleurs à 350€. Donc, on a tous hâte, évidemment. Je crois qu'on vient griller tous les deux une chance, là. Ah là, bah là... là, on commente la finale, après, c'est fini, quoi. Nous, si on va avoir des réclamations sur le dos, va falloir qu'on analyse notre stream. Ah ouais, c'est clair. Oh là 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 là. Non mais on rigole, mais c'est vrai que pour le coup le championnat Flat 6 est quand même relativement bien organisé, les organisateurs sont quand même très présents, donc c'est pour ça c'est un peu de l'ironie, quoi. Parce que c'est vrai que le championnat se passe très bien, on a quand même un championnat qui est relativement quali, donc ça va, c'est plutôt appréciable. On réglera ça en prolongation de votre contrat. Moi je m'en fous, je veux une augmentation. Il faudra déjà qu'il y ait quelque chose à augmenter. Je veux qu'on multiplie par 3 mon salaire. 0 x 3. Et donc, revenons au direct. Rémi Gruson qui se rapproche de Ludovic Ferrui. Et on arrive presque à la mi-course. On arrive presque à la mi-course. Et on a donc deux EPRT qui reste à proximité.
Donc Ludovic Firui, qui avait pris son envol dès le début de la première course, a un peu plus de mal là, ou en tout cas ne le montre pas pour le moment. Après, pour ceux qui se poseraient la question, hein, on a déjà parlé sur les autres courses, mais il n'y a pas de classement par team, il me semble. Du coup, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stratégie non. par équipe. Du coup, il n'y a pas de consigne d'équipe pour les EPRT. Exactement. Donc du coup, les EPRT courent également les uns contre les autres. Hein. Chacun évolue en solo dans ce championnat, en fait. Donc là, c'est pas Rémi Greuzon qui attend tranquillement que Ludovic Ferrui gagne la course et être deuxième. Il y a réellement une compétition entre les deux pilotes actuellement. Il n'y a pas de je laisse passer ou je ralentis, je sais que l'autre ne me dépassera pas, etc. Alors, la dernière fois, c'était entre Guillaume Masse et Ludovic Ferrui qui avait une bataille. Oui. Et là, c'est entre Rémi Greuzon et Ludovic Ferrui. Oui, tout à fait. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment, on a des pilotes qui sont un peu yo-yo dans leur classement, tu vois. Dans le sens où il y a des courses où ils vont finir en haut du classement et des courses où ils vont finir en bas de classement, vraiment. Genre, je me souviens. Hey, yo, mec, yo. Mais non, mais. Comment ça va, yo-yo. Mais, pas, mais j'ai dit des yo-yo, j'ai dit des yo-yo, pas des wesh-wesh. Mais voilà, vous avez très bien compris ce que je veux dire, c'est que... Hey yo, quoi, wesh, mais je t'ai fait des appels de phare, laisse-moi passer, quoi. Hormis les EPRT qui finissent régulièrement en tête de course, on a des pilotes comme Steve Chédeville, Brigonnet Philippe, Loïc Schitt, Mathieu Schneider, Alexandre Ducourneau, etc., qui habituellement finissent soit en tête de peloton ou en milieu de peloton, soit en fin de peloton par abandon ou par le fait qu'ils ont fini en dernier tout simplement. Mais je voyais par exemple Steve Chédeville qui est quatrième sur la course d'avant, je crois qu'il était un peu plus bas. Hein. Donc c'est vraiment des pilotes qui se classent différemment en fonction de chaque course, en fonction de chaque course. Et je pense que ce serait intéressant d'analyser les circuits et les conditions de course de chaque étape pour savoir vraiment dans lesquelles ils ont été le plus à l'aise et dans lesquelles ils ont le plus excellé, parce que ça se trouve il y a des pilotes qui ont été beaucoup plus à l'aise sur des configurations rapides et d'autres beaucoup plus à l'aise sur des configurations à beaucoup de virages, quoi. Je m'abaisserai pas à répondre à cette question. Pourquoi t'abaisser? Parce que j'ai pas de réponse. Ah, très bien. Ni plus ni moins. Mais histoire de mettre du suspense, tu vois, je me dis. Tu m'aurais dit parce que j'ai mal au dos. Parce que j'ai une sciatique. Parce que j'ai une sciatique. On a tous des... Ce soir, on a tous des sciatiques en soutien à Gaëtan. J'ai un mot du médecin, j'ai le droit de dire des conneries. Maman l'a dit que je peux. Donc revenons à la course. C'est Mathieu Schneider qui attaque Loïc Schitt actuellement sur la chicane après la ligne d'arrivée. Place au direct, Philindra, tête de tigre. Ah, il faut que tu dormes. Hein. Je suis fatigué, mais alors toi, je pense que là... Range les tigres. Donc Mathieu Schneider ouais. En attaque sur Loïc Schitt. On va commenter en perforace. Ça y va tranquille quand même. Ah oui, bah on se le souhaite pas non plus. Ça y est, c'est fini. On sera pas bouclé pour la finale. C'est fini. Ça mériterait des applaudissements. C'était tellement naturel comme réponse. Donc là, les deux pilotes qui sont extrêmement proches. Mathieu Schneider qui est vraiment sur les talons de Loïc Schitt. Là, ça va pas tarder à être intéressant. Les autres pilotes sont à plus de 3 secondes d'écart. Je scrute le chat. Alors, on a un Ludovic Ferrui hein, qui s'est fait dépasser par Rémi Greuzon en même temps. Attention, il est capable de faire exprès de se laisser dépasser. Oui, il l'a déjà fait. On l'a déjà vu faire ça, effectivement, pour économiser sa voiture, se laisser dépasser plutôt que de batailler et essayer de défendre. Oh, et puis mettre sous pression. Et puis mettre sous pression, oui. Mais c'est vrai que stratégiquement, c'est en tout cas jusqu'au milieu de course, c'est plus intéressant de se laisser dépasser pour éviter de gaspiller la voiture et de tout donner après, quoi. Donc je pense qu'on n'en est pas loin. Ah, donc il n'y a pas de dépistage de drogue sur les finales, alors.
Ça sent la drogue. On va avoir une voiture qui boite, on va pas comprendre. Mathieu Schneider, toujours sur les talons de Loïc Chitre, hein, toujours sur la live. Pour la finale, il aura le droit de couper les chicanes. Ah, alors, Philippe Brigonnet au stand. Philippe Brigonnet qui vient d'abandonner. Et Mathieu Schneider qui a tenté un dépassement sur Loïc Chitre sur l'extérieur de la chicane. Je le vois bien rouler avec une carte cortisone sur le pare-brise. Ils se lâchent pas les deux, hein. ils sont vraiment collés. Ça bloque les pneus pour Loïc Chitre. C'est actuellement les seuls pilotes qui bataillent pour le moment. Le médecin serait pas dealer par hasard. À quelques années d'études près, c'est le même travail. Hein. Une sacrée paire d'années quand même. Non, t'es sûr. J'ai un doute. Il y en a juste que dans l'un des deux cas, c'est légal. Ludovic Ferrari toujours derrière Rémi Gruson. Ah, les deux ouais. Duels, c'est à c'est la Bretagne. C'est la guerre des extrêmes, c'est la guerre pour l'indépendance. Mais là, on a des petits duels un peu partout. On a également Alexandre Ducournau avec Sébastien Pourré qui sont pas trop loin. Alors, c'est la choucroute contre les crêpes. Compliqué de choisir, non? Bah, moi, je mélangerais les deux, personnellement. Mais... Moi, personnellement, je préfère une ficelle picarde. Oui, mais rien ne peut battre la ficelle picarde. Aussi, donc... Bah, voilà, quoi. Picardie représente. Oh là là, yo, yo. Et je vous le donne, si vous voulez. Elles sont toujours collées, hein. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtre, s'en dépatouiller plutôt. Oh là là. Non mais là, non, ce soir faut pas. Ils sont peut-être très difficilement. Ce soir faut pas chercher là. Ce soir c'est compliqué. Donc Mathieu contre Loïc. J'ai du mal. Tu sais que je vois flou les noms des pilotes quand je clique dessus. La bière contre le Chouchen. Je regarde juste les temps et je regarde même pas les noms parce que je vois flou en fait. Alors attends, je vais regarder spécialité bretonne et spécialité alsacienne, tiens. Alors, on est tellement dans le sujet là actuellement, c'est vraiment incroyable. Et donc Ludovic Ferrari qui est toujours derrière Rémi Gruson, qui a l'air de vraiment vouer sa stratégie sur l'économie et essayer de garder le rythme. Alors en Bretagne, on a les rillettes de poisson. Et on a la flamencuche en face. Rillette de poisson contre flamencuche. Voilà, donc venez voir les championnats de France de course pour découvrir des spécialités culinaires des régions. Surtout... Master vs caramel au beurre salé. En tout cas, il se lâche pas. Hein. C'est vraiment... il est sur ses talons, Mathieu Schneider. Face à, derrière Loïc Chitre là, ça devrait pas tarder à bouger. En tout cas, on a dépassé la mi-course et du coup, c'est normal que ça le rythme ralentisse un peu. Alexandre Ducournau prêt à dépasser Sébastien Pourré. Dans pas longtemps. On a eu trois abandons depuis le début de la course là, Philippe Brigonnet, Damien Roux et Anton Mapton. Damien Roux qui aura pas eu de chance hein, sur cette course, il a mangé. Il est sorti plusieurs fois. Alexandre Ducournau qui va pas tarder à dépasser. Ah, oh là là, ça prend un peu large. La trajectoire a été un peu compromise, j'ai l'impression. Alors, si je peux me permettre, pour moi, c'est l'Alsace qui a gagné. On va pas rentrer sur des sujets comme ça parce que là... Devinez pourquoi. C'est légèrement où il y a le siège social de Bugatti, les gars. Je dis ça, je dis rien, même si Bugatti, sur le papier, c'est allemand.
parce que c'était créé pendant l'Empire allemand. En 1906, pour être exact, avant que l'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises, c'est l'Alsace qui gagne. Parce que bon, à part des trottinettes, en Bretagne, je vois pas des voitures de luxe là-bas. Bah si, il y a plein de gens. Ouais, c'est vrai que Lamborghini, ils ont une, ils ont une usine en Bretagne, quoi. J'ai regardé s'il y a des usines automobiles en Bretagne. C'est vrai que c'est... C'est vraiment le lieu et l'endroit pour le faire, quoi. C'est culturel. C'est culturel. Et donc, du coup, pour la finale, on fera un cours de maths. Voilà. Toute une histoire. Alors, Pythagore. Ça y est, Mathieu Schneider est vraiment pare-choc contre pare-choc. La somme des carrés des deux côtés est égale à carré de l'hypoténuse. Voilà. On est à moins d'un centième entre les deux pilotes. Je suis à deux centièmes de prendre une tarte dans la tronche. Ça continue à sortir des conneries pareilles. Ah, mais il y a une usine PSA à Rennes. Ouais, enfin, Peugeot contre Bugatti. Ça bloque les pneus pour Loïc Chitre. Ça va pas tarder à en découdre pour Mathieu Schneider. Ça va prendre l'extérieur. Ça risque de croiser. Non, ça protège bien pour Loïc Chitre. Alors, c'est. Ça mord bien vibreur hein, pour Mathieu Schneider qui tente le dépassement encore. Hein. C'est Bugatti Chiron contre C5 Aircross et Peugeot 5008. Je pense que c'est 5008 qui gagne. Ah, et Loïc Schitt qui rentre au stand. Et c'est du coup Mathieu Schneider qui prend la place, la cinquième place. Donc Loïc Schitt qui est allé certainement changer les pneus, je pense. Vu qu'il a pas mal... on l'a vu pas mal bloquer les roues. Et donc du coup, Ludovic Ferrari toujours derrière Rémi Gruson. Donc on est bien sur, je pense, sur de l'économie. Hein. On est sur de l'économie de pneus et d'essence. Et il devrait pas tarder à retenter le dépassement. Puisqu'on arrive bientôt sur les dernières 20 minutes. Maintenant, tous les pilotes ont quasiment 10 secondes d'écart les uns des autres. À part Alexandre Ducournau qui a 2 secondes d'écart avec Sébastien Pourré. Oui, effectivement, Team 3DK, il y avait une très belle bataille entre les deux pilotes. Et bon, ça s'est conclu par un arrêt au stand. Bon, au moins, ça s'est conclu sans dégâts. Parce que je sais pas si tu as vu le début de la deuxième course, mais il y a eu pas mal de sorties de piste, pas mal de contacts. Non. Et on a perdu Pumpkin entre-temps aussi. Non. Non. Je vous rappelle... Je suis en train de reboot. On va refaire un tour du classement. Donc Anton Mapton au stand pour un abandon. Damien Roux également au stand pour un abandon. Philippe Brigonnet abandon également. Et on arrive à la 9e place avec Simon Bourguin. Simon Bourguin, donc 9e place. 8e, Loïc Chitre qui sort des stands du coup. Alexandre Ducournau, 7e. Qui est juste derrière Sébastien Pourré, qui est 6e. Loin devant, on a Mathieu Schneider. Encore plus loin, Steve Chedville, 4e. Guillaume Mas, 3e. À 3 secondes, non, 4 secondes de Ludovic Ferrui, qui est 2e. Ludovic Ferrui qui a dominé littéralement la première course. Et qui, depuis un peu plus de la mi-course, s'est calé derrière Rémi Gruson. Et du coup, Rémi Gruson premier. Et donc ça y est, Ludovic Ferrui a l'air d'avoir voulu tenter un dépassement, je suis pas sûr. Je sais pas s'il va le tenter tout de suite. À mon avis, tout va se jouer dans le dernier quart d'heure de course. Alexandre Ducournau toujours à 2 secondes.
Oui, tout à fait, Steve Chedvi, il est quatrième depuis le début de la course, en fait. Il s'est bien classé, quatrième. Il a laissé les EPRT se battre entre eux. Et il a fini par être tranquille. Et il va mener son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il va certainement finir à ce classement-là, quatrième. C'est un beau classement. J'ai pas déchéancé. Hein. Comment ? J'ai pas déchéancé, j'ai apporté du contenu culturel sur la bataille entre la Bretagne et l'Alsace. C'est tout. Je suis le Mac Lesgui de Sim Racing. J'espère. Ah bah j'espère pas pour toi. Pump Lesgui, on m'appelle. Je suis là, j'arrive. La pression des pneus commande égale M6, tu vois, enfin. Bah là, c'était plutôt les crêpes et la choucroute, hein, tu m'excuseras, mais la pression des pneus, on ouais, l'a pas vu. Hein. Bah, il y a le même pourcentage d'eau, x4. C'est tout. On a quand même réussi à apporter du contenu historique automobile en disant que les 5008 et les 5008 de phase 2 et les Aircross C5 sont produits en Bretagne alors que c'est les Bugatti qui sont produits en Alsace. Voilà, il y en a peut-être qui ne le savent pas. Ah là, ça colle le pare-choc. Hein. Ludovic Ferru, il met une pression à Rémi Gruson qui est assez impressionnante. Un petit bisou sur le pare-choc arrière. On avait dit pas de contenu moins de 18. Hein. J'ai dit un bisou, j'ai pas dit qu'il mettait la langue. Ah non, mais c'est ça. Il est pas possible. J'ai pas parlé de Mercotte. Non, stop. Stop. Ah ça y est, Ludovic Ferruy va tenter le dépassement, on dirait, non? Alors, on dirait qu'il se restreint quand même, hein. il a pas envie de dépasser tout de suite. Il a eu plusieurs occasions et il l'a pas fait. En même temps, il nous a offert un dépassement sensationnel sur la fin de la première course. Avec une feinte assez incroyable sur Damien... non, c'était sur Damien Rouet, c'est ça. Mac Lesgui, il est plus à proposer des brosses à dents signal, des brosses à dents électriques que du chouchen pour l'instant. Après, si Pump Lesgui, on lui fait une proposition commerciale intéressante pour faire une publicité pour vendre du chouchen... Bah écoute, j'ai une solution pour toi, c'est tu crées une chaîne de stream sur Mac Lesgui. Non, Pump Lesgui. Bah, Pump Lesgui. Et comme ça, ici, on pourra parler de voitures et de courses. Et là-bas, tu pourras parler de Mac Lesgui. Ah, surtout que Mac Lesgui s'appelle pas Mac Lesgui en vrai. Bah non, c'est des pseudos, ils ont tous des pseudos. Là. Il s'appelle Olivier Légourgue. Ou Légourgue. C'est moins vendeur. Ça en jette moins, tu vois. Ingénieur agronome de formation. Ben voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on est potes. Il est ingénieur agronome, je suis une citrouille qui parle. Voilà, quoi. Et on a encore eu un pilote qui s'est mangé un poteau. Ah, on a Rémi Grosjean qui a embarqué des poteaux d'ailleurs. Bah c'est peut-être lui d'ailleurs qu'on a entendu. Oui effectivement il y a le poteau devant sa voiture, on l'a vu tout à l'heure. Il a dû l'enlever là il n'y a pas longtemps. Allez, ça y est Ludovic Ferruy qui passe. Ah non. Ah c'était juste hein. Oula. Il lui a mis le coup de pression de trop là. Il s'est dit oula je m'endormais. Alors que ça y est ils vont mettre un tour à Simon Bourguin dans pas longtemps. Simon Bourguin qui est 9ème. Alors j'ai 4 onglets ouverts devant moi, spécialité bretonne, spécialité alsacienne, voiture fabriquée en Alsace, voiture fabriquée en Bretagne, ok. Ça montre l'intérêt pour le contenu historique. Est-ce que tu le sens mon intérêt pour ton contenu historique actuellement? Tu veux pas nous raconter quelque chose d'intéressant? T'as pas des infos sur le circuit? Je sais pas, Paul Ricard c'était qui? Dis-moi, moi j'en sais rien en plus. Un Ricard. Ah bah c'est, si c'est un Ricard. À la base, c'était un Ricard, il a grandi et c'est devenu... Ouais, c'est ça. C'est en fait, à la base, il y a une fontaine de Ricard au milieu du circuit. Depuis les années 1970. Sous la pulsion de Paul Ricard. Un temps maire du village de Signes, voisin du site. Qui voulait créer un événement d'ampleur internationale dans la région. Avec les conseils de Jean-Pierre Betoise, bien sûr. Quelques autres spécialistes du sport automobile. Désigné premier centre d'excellence par l'Institut de la FIA pour la sécurité en sport automobile en 2005, homologué à FIA en 2006, ce circuit a réouvert ses portes au public en 2009 et accueille désormais des épreuves de compétition automobile et moto,
ainsi que des roulages de clubs et des opérations marketing. Ça te va ? Ça me va. Et du coup, on a Mathieu Schneider, je crois, ouais, qui manque une roue. Mathieu Schneider a perdu la roue avant gauche. Et ça se finit dans les tiroirs. Je pense que ça va partir sur un abandon, à moins qu'il arrive à rejoindre les stands. On va voir ça. Tiens, d'ailleurs, il n'y avait pas eu les 4 heures du Castellet la semaine dernière ? Aucune idée. Je crois qu'il y a eu les 4 heures du Castellet sur ce circuit-là la semaine dernière. Bah, Atto, il en avait parlé, je crois. C'est possible. C'est possible. Oui, je crois qu'en plus, ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé, en plus. Je confirme, il y a eu les 4 heures du Castellet. Pour l'European Le Mans Series. Alors, attends, on a un quiz de Team 3DK. Est-ce que tu connais le vrai nom de Alain Prost ? Je vais regarder. Alors, attends. Alors, je vais te dire ça. Propriétaire Eccleston. Eccleston, c'est le propriétaire, apparemment. Eccleston, il a le même nom que le docteur, qu'un des docteurs de Doctor Who. Non, mais Eccleston, c'est le mec qui est vachement connu en F1 aussi. Ah, je sais pas, moi, je me connais pas trop dans ces trucs-là, donc... Il fait pas mal de débats avec Eccleston, il est connu pour ça. Bah, Alain Prost, il s'appelle Alain Prost. Sa femme, c'est Anne-Marie Prost. Bah oui, c'était une vanne. Enfin, le mec, il a mis ça dans le chat exprès. Non, c'est juste qu'il avait besoin des éclairations éclairantes. Des éclairations, bah ouais, c'est... Éclairantes du Pumpkin. Alors qu'on vient de descendre sous la barre des 1/4 d'heure de course, et Ludovic Ferry est toujours derrière Rémi Gruson. Il y a eu une tentative de dépassement, mais ça n'a pas abouti. La femme d'Alain Prost, c'est l'ex-femme d'Eccleston. Ah oui, le proprio du circuit, d'accord. Ah ouais, tout est lié en fait. C'est son ex-femme. En fait, le mec qui s'est dit, je vais gagner 4 Grands Prix là-bas, puis je vais me barrer avec la femme du proprio. Il a gagné la femme après le Grand Prix. En fait, il s'est dit, si je gagne 4 Grands Prix là-bas, je gagne sa femme avec, quoi. C'est ça ? J'essaie d'apporter du contenu historique. Hein. Ah, il faut que cette course s'arrête parce que je vais faire un AVC avant, je crois. Ah ouais, d'accord. Ça... Tu vas venir commenter avec nous la prochaine fois, Team 3DK. Alors attends, oui, mais je suis parti de travers là. Attends. Ah oui, effectivement. Bon, avoue que ça aurait pu être une bonne histoire. Auprès de 4 Grands Prix, il se barrait avec la femme. Mais oui, d'accord, oui, c'est l'ex-femme d'Eccleston, de Bernie Eccleston, qui appartient le circuit. Donc en fait, au moment du divorce, elle s'est barrée avec le Castellet, quoi. Concrètement, elle s'est dit, le Castellet, il est à moi, en fait. Oh, je suis parti loin dans ma bêtise, là. Oui. Alors là, moi, j'étais en train de te faire un feu de l'amour spécial Grand Prix Formule 1 automobile, là. Donc le classement a toujours pas bougé, hein. C'est le même depuis à peu près 10 minutes. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour le moment. Il y a quasiment 20 secondes d'écart entre chaque pilote à part en tête. Donc c'est un peu compliqué de vous trouver des choses intéressantes. On peut refaire un tour des pilotes. On a Anton Mapton qui est au stand, du coup abandon toujours. Damien Roux également, Brigon et Philippe. Et Mathieu Schneider qui avait perdu sa roue et qui a donc abandonné. Du coup, le classement reprend à la 8ème place avec Simon Bourguin. DNF, Mathieu, il est dans le chat. Ouais, effectivement, DNF sur accident. On a vu la roue avant gauche qui est partie. Simon Bourguin qui n'a plus de pare-choc avant. T'as posé la question, moi j'ai fait les translations, les dérivations, je me suis dit, il y a connivence de fait, d'effect, voilà, et puis je me suis dit, tiens, il s'est barré avec sa femme, quoi. 7ème position, Loïc Chitre. 8ème, Alexandre Ducournau.
Cinquième... Non, sixième, Alexandre Ducourneau, pardon. Cinquième, Sébastien Pourré. Quatrième, Steve Chedeville. Guillaume Mas, troisième. Ludovic Ferrui, deuxième. Juste derrière Rémi Gruson, qui est premier. Et alors, on va voir, hein, parce que là, les pilotes sont tous avec un écart assez important les uns des autres. Du coup, tout va se jouer surtout sur la première et la seconde place. Et on va voir si Ludovic Ferrui arrive à doubler Rémi Gruson juste avant l'arrivée. Car il avait l'air d'économiser ses pneus derrière Rémi, hein, il l'a laissé passer, j'ai l'impression, en mi-course. Et là, voilà, vous voyez, il va tenter les dépassements, là. Il prend large. Ah oui, non, mais Team 3D FFSR, j'ai compris après ma bêtise, hein, ce que c'était ça. C'est juste que j'étais bien parti dans ma bêtise et j'étais bien lancé, quoi. Puis ça a animé un peu le truc. Simon, non, Mathieu, alors, n'oublie pas cette soirée, regarde le replay, tu vas rien regretter. Tu vas énormément regretter. Regarde-le, mais écoute pas. Tu regardes juste les images, mais tu coupes le son. Tu coupes le son, ouais. Tu le regardes, mais surtout, t'écoutes pas, parce et que... tu coupes le son. Tu vas te taper la tête. Et je remets le... Voilà, et voilà à quoi tu vas faire face pendant toute la soirée du live. Je décline toute responsabilité là-dedans. C'est pas moi qui lui ai fait manger un truc bizarre avant le... Oh, 5 km 2 pour le circuit, ça va encore. Ça y est, Ludovic. Ludovic tente le dépassement par l'extérieur. 5 km 8, pardon. Tu fais ton difficile, hein, Mathieu. Il va peut-être croiser. Rémi Gruson qui protège. Ah, ça a failli être bon pour Ludovic. Moi, je pense que ta voiture était trop petite pour le circuit. Là, on voit clairement que Ludovic essaye de dépasser. Là, ça y est, il est passé en mode attaque. Voilà, il est extrêmement prêt. Ah, ça zigzague. Ça essaie de se débarrasser de l'aspiration. On va être copyright à cause de toi. Ah, c'est un des passages les plus délicats du circuit. Ils sont collés, c'est impressionnant. C'est chaud, ça brûle. Oh non. Ouais. J'attends René la taupe avant 23h30 là. Il est plus vieux que moi, hein, je tiens à le signaler quand même. Ah, c'est pas grand chose. Bah, 40 ans de plus quand même. Ouais, moins 35 ans. On a que 5 ans d'écart. Bah, t'as quel âge? T'as 22. J'ai 23. 23, bah j'ai 27. Ah, je pensais, ans. Je pensais que t'avais 34, moi. Mais je suis pas un daron, gamin. Pas encore. Je suis pas encore un daron, gamin. Donc Ludovic qui est encore en galère, hein, il n'arrive pas à passer Rémi Gruson. Si ça y est, on voit que ça commence à déraper pour Rémi. Ça commence à être fatigant, je pense, là, au bout des deux courses et les vibreurs et tout. Ça commence à devenir. Surtout la pression que lui met Ludovic depuis le début de la course, là. C'est impressionnant, quand même. Ça tente. Oh, il a refeinté comme tout à l'heure. Attention, la dernière fois, ça s'est mal passé. Ah, ça s'est pas mal passé, ça s'est passé. On va pas dire que ça s'est bien passé, ça s'est passé, tout court. Mais c'est passé. Comme un suppositoire. Non, mais... Je fais moi trouver quelque chose. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu nous as fait gagner 6 spectateurs. Donc je sais pas si c'est... S'ils viennent voir la course ou s'ils viennent écouter le Pumpkin, mais j'espère que vous venez voir la course, parce que si vous venez écouter le Pumpkin, je vais pleurer, je crois. Rémi Gruson en travers, allez hop. Ouais, c'est bon, Ludovic Ferrui qui prend la tête. Tu vois, mes bêtises auront eu raison. Ouais. Voilà, tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'il écoutait le live en même temps, il s'est pété une barre et il s'est mis de travers. Et du coup, c'est Guillaume Mas qui en a profité pour prendre la deuxième place. Et donc là, je pense que ça y est, hein, le dénouement de la course est fait. À moins que Alexandre Ducourneau arrive à rattraper Sébastien Pourré, mais le temps, l'écart se creuse de plus en plus. Sinon, le classement restera le même. Donc Ludovic Ferrui en tête. Guillaume Mas, second. Rémi Gruson, troisième. Steve Chedeville, quatrième. Stichelli qui a pas bougé de la course, il a fait sa course en solo, tranquillou. Il arrive quatrième dès le début de la course.
il se cale, il cherche pas forcément à rattraper ou quoi. Il sait très bien que les EPRT, de toute façon, ils vont se tirer la bourre entre eux. Ça peut être risqué d'aller attaquer devant. Vaut mieux sécuriser la quatrième place, il a eu raison. Il finit quatrième, ça va lui monter ses points, c'est parfait. Sébastien Pourré, cinquième. Qui est suivi pas très loin avec Alexandre Ducourneau, qui vient encore de perdre une seconde sur lui. Septième, Loïc Chitre. Et dernier du classement actuel, Simon Bourguin, 8e, puisque 9e, Mathieu Schneider, abandon suite à un accident qui lui a fait perdre la roue avant gauche. Philippe Brigonnet, il me semble qu'il a abandonné assez tôt, du fait d'un accident également, je crois. Damien Roux et Anton Mapton, 11e et 12e, ont également abandonné. Et il reste moins de 5 minutes de course. Et c'est une longue soirée... Qui va s'achever. Oh non. Avec une deuxième course, plus intense que la première, avec notamment une première moitié qui a été assez compacte et assez guerrière, assez brute, énormément de contacts, pas mal de crash, ça se voit hein, d'ailleurs, on a 4 pilotes qui ont abandonné. Vous pouvez nous voir notre spectacle à l'Olympia du 18 au 19 juillet 2031 et suivi du Stade de France en 2032. Alors, voilà. 2032, je t'aurais fait disparaître déjà, cher ami. Non, mais je suis pire que de la mauvaise herbe. Le désherbant, le gars. Mais c'est ça. Je suis comme une mycose, tu vois, dès que je suis sous l'eau... Oh non, 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 il y a... Quoi, c'est un champignon? Non, 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 mais non, mais pas la mycose, quoi, putain. Simon Bourguin qui est au stand à 3 minutes 30 de la fin, qui est 8e. À mon avis, il répare pour sécuriser la position, hein, sinon il risque d'abandonner, on sait jamais. Vaut mieux réparer, il a rien à perdre de toute façon. Bah c'est une roue. Bah oui, mais il a rien à perdre à passer au pit, quoi. Et donc Ludovic Firui et Loïc Chit... Non, Ludovic Firui et Guillaume Mas et Rémi Gruson qui mettent un tour du coup supplémentaire. Une voiture qui a de se remettre de travers. Alors qu'il reste 2 tours pour cette course. Bah ça s'est vu en tout cas David, clairement on a vu que la stratégie de Ludovic était clairement de laisser Rémi passer devant et de lui mettre un maximum de pression et tout en économisant la voiture pour éviter de trop l'abîmer et sécuriser la première place. Et en tout cas ça s'est vu, Rémi a en tout cas bravo à lui parce qu'il a énormément bien, il a très très bien résisté à la pression et malgré les petites attaques furtives de Ludovic qui pendant toute la course a essayé de le passer devant... lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Il s'en est très bien sorti et il finit quand même 3ème. Il a eu fait une petite erreur à la fin, mais bon, bah ça arrive. Hein. Il en a refait une là. Bah c'est possible, de toute façon. Il vient d'en faire une, il vient de se remettre dehors. Mais effectivement, on s'en est rendu compte, David, parce que du coup, bah, pour ceux qui ont écouté l'interview de Ludovic, hein, il nous avait clairement dit qu'à la course de Le Mans Bugatti, c'est ce qu'il avait fait sur Guillaume Mas. À mettre la pression, à être derrière et à mettre la pression. Et donc, du coup, on savait très bien que s'il avait laissé passer Rémi, c'était pour faire exactement la même chose. Puis ça s'est vachement vu sur cette bataille-là, justement. Et je pense que Rémi, ses erreurs sont notamment dues au fait qu'il ait subi énormément de pression et qu'il essayait de défendre du mieux qu'il pouvait. Ses pneus doivent être dans un sale état, là. Bah là, ses pneus, ouais, ça doit être une catastrophe, là, je pense. Il joue et roule sur les jantes. En tout cas, sympa. Et donc, il reste 1 minute 15 de course. Et donc, du coup, on a Ludovic Firui, premier. Guillaume Mas, deuxième. Rémi Gruson, troisième. Steve Chedvy, quatrième. Sébastien Pourré, cinquième. Alexandre Ducourneau, sixième. Septième, Loïc Chitre et Simon Bourguin, qui est huitième, qui n'a pas abandonné, qui était passé au stand tout à l'heure. Pour réparer. Alors Guillaume revient à 5 points de Rémi. Non mais Ludo il a déjà gagné le championnat. Et Ludo, hein. Oui, il a gagné le championnat dès la première course lui.
Le shérif a encore frappé. Il s'est inscrit et après le championnat, ça se jouait pour pouvoir terminer deuxième, quoi, en fait. Je me souviens plus de son classement sur la première course de à Rémy Gruson, justement. Après la première course, il y a beaucoup de pilotes qui avaient du mal à gérer la voiture, ça se sentait, il y a eu beaucoup d'erreurs. Hein. Attends, c'est quoi la voiture qui arrive derrière Rémy, là? C'est Steve... Non, c'est un retardataire. Ah, ok. C'est Simon Bourguin, il est 8e de la course. Là, je suis en train de regarder ses trajectoires, j'ai l'impression qu'il a baissé les bras. Soit il a baissé les bras, soit il a vraiment des roues dans une... Il est très loin devant, il a 30 secondes d'écart avec Steve Chedvi, il peut y aller à 2 à l'heure. Hein. Clairement, la course est finie, là c'est bon, il a fini. Donc Ludovic Ferri a fini premier, Guillaume Masse deuxième, Rémy Gruson troisième, et Steve Chedvi quatrième. Ils sont en train de faire leur dernier tour, du coup. Guillaume Masse est quand même pas très loin de Ludovic Ferri. Hein. Une chance incroyable pour Guillaume Masse, Ludovic fait une toute petite erreur, ça peut lui coûter sa place. En tout cas, ça fait plaisir de voir un circuit assez rapide quand même. On voit vraiment la puissance des voitures sur ce circuit. Alors David nous dit que demain, il y a deux pilotes EPRT qualifiés pour la BMW M2 CS Cup organisée par S397. C'est en live à 20h sur la chaîne BMW Motorsport. Il y aura certains des meilleurs pilotes mondiaux de Air Factor 2 du coup dessus. Et donc ça y est, la course est terminée avec Ludovic Ferri en tête, Guillaume Masse en seconde position, Rémy Gruson seconde position. Alors quatrième Steve Chedeville, cinquième Sébastien Pourré, sixième Alexandre Ducournau, septième Loïc Chitre et huitième Simon Bourguin. Mathieu Schneider, Brigoni Philippe, Damien Roux et Anton Mapton ont abandonné. Et donc, c'est l'Alsace qui a gagné ou la Bretagne? c'est la Bretagne, j'ai l'impression. C'est l'Alsace. Non, je sais pas. Non, Brett Scola. Bah, les deux. Simon Bourguin, il a le drapeau. Ah non, c'est l'Alsace, Simon Bourguin. Et donc, non, c'est ça. Donc, c'est la Bretagne qui a gagné. N'oubliez pas la semaine prochaine pour la finale. On se retrouve aux mêmes horaires avec une course d'endurance de 2 heures sur Manicourt. Ce sera donc la grande finale. Ce sera le mardi 28, donc semaine prochaine. Dans la description de la course de ce soir, vous aurez toutes les infos concernant la course. Également les infos sur les pilotes, les résultats via les liens du site de la F6 Team e-Racing. Vous avez également les chaînes Twitch de Pumpkin avec la page Facebook pour rejoindre pour suivre sur Pumpkin sur Twitch. Et c'est à peu près tout, je crois. Là, j'attends les pilotes pour l'interview d'après match. Bah, il y en a toujours qui sont en piste. Je vais m'occuper de l'interview, mon lapin. Non, là, ça va trop loin. Là. Ouais, moi, je peux plus supporter ça. Oh, le craquage final. Ouais, j'adore. Ah non, mais moi, il y a un moment donné... À un moment donné, je vais plus répondre de rien. Moi, c'est fini. Hein. Ah, meurs. Dépression. Dépression. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Qu'ai-je fait? J'ai créé un monstre. Alors, qu'on a notre huissier de justice hein, qui vient nous ramener l'enveloppe hein, pour nous dire que tous les pilotes sont ex aequo parce que personne n'a voulu voter pour 115 euros du SMS. Ça me détoie. Je suis déçu. Franchement, je suis chafouin. Ça me chafouine un peu, tout ça. Donc, sur vos écrans actuellement, l'affiche de la finale. Des voitures. Oui, des voitures, mais l'affiche de la finale de la semaine prochaine, donc sur Manicourt, avec le programme.
Et donc, sera pas diffusé sur BMW Motorsport par contre. Hein. On sera diffusé sur Sim Racing Driver Community. Voilà quoi. Mais voilà. Alors, attends, je vais regarder qui nous a rejoint. Alors qu'on attend. Pas, je veux supprimer. Qu'on attend les pilotes. Il nous en manque un. Qu'on verra peut-être pas. Bon, bah, du coup, on va attaquer. Hein. Alors, bonsoir, messieurs. Merci d'être présent pour ce débrief, hein, l'après-match. Hein. Après ces 120 minutes de course avec une mi-temps de 25 minutes entre les deux. Et on a Ludovic, hein, le shérif. Hein, qu'est-ce que tu fais encore là? Bah écoute, je m'y plais à cet endroit-là, je suis bien. Parce que là, tu t'es amusé à un niveau, tu te dis, tiens, si je m'étais remis sous pression, par exemple. Ouais, par exemple, bah, la course 1, bah, je pars en pôle. J'arrive à faire un gap tout de suite de quelques secondes et bon bah voilà, après j'ai maintenu cet écart là en essayant de prendre soin de mes pneus. Et puis la deuxième course où je prends un bon départ, on arrive à remonter avec Guillaume et Rémi petit à petit dans le peloton. Il y a 2-3 accrochages, 2-3 voitures qui se touchent. Grosso merdo, on passe à travers les gouttes à peu près à part Guillaume qui a 2-3 contacts. Et puis, puis je me retrouve en tête avec Rémi derrière. Il avait un rythme un poil supérieur au mien, et puis à un moment donné, j'élargis un petit peu dans un virage, je sais qu'il est à l'intérieur, donc je referme pas la porte, je le laisse passer devant, en me disant qu'à un moment donné, je pourrais repasser devant. Et puis du coup, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais, parce que j'ai donné tout ce que j'avais, j'arrivais pas à passer, j'ai fait quoi, 2-8-1 je crois, alors qu'en qualif, j'étais en 2-8-6. Donc vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais, j'arrivais pas à passer, puis... Malheureusement, Rémi a tué ses pneus et du coup, j'ai pu repasser devant. Et puis après, on a déroulé jusqu'à la fin. D'accord. Petite question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Damien? Je tente une attaque à la chicane. On se touche un petit peu, mais je le laisse repasser devant. Et après le double droite, il fait une erreur. Il part en tête à queue. D'accord. Mais on pose la question par rapport à quand vous êtes touché dans la chicane, pas le tête à queue d'après, mais par rapport à la chicane en fait. On se pose la question. Ouais, c'est moi qui tente une attaque peut-être un petit peu optimiste. En fait, j'étais derrière lui et je gérais gentiment. Rémi était derrière moi, j'attendais que Guillaume revienne. Et puis quand Guillaume était là, il m'a dit c'est bon, je suis là. Du coup, j'ai voulu passer. Puis j'étais peut-être un petit peu présomptueux, mais je l'ai laissé devant. Oui, c'est pour ça que je préférais te demander, du coup, comme je sais qu'on peut en parler sans aucun problème. Bien sûr, sans problème. APK, ben merci, tu restes, hein, tu sais très bien qu'il y a la question fatale juste après. Hein. Mmh. Alors du coup, on a... on va passer sur Rémi... Attends, mais Guillaume, il est arrivé deuxième. Oui, il est arrivé deuxième sur cette course. Guillaume, es-tu là? Oui, je suis là. Je suis... Ah, tu vois, la table des Ouija, elle fonctionne vachement bien quand même. Mmh. Guillaume, si tu nous entends, tape deux fois. Bon, comment vas-tu, Guillaume? Ça va, écoute. Raconte-nous tout. Soirée où j'ai pas fait de training et je découvre mon nouveau volant, parce que je viens d'avoir un nouveau volant. Ah, t'es passé sur un Fanatec CSL Elite, alors qu'avant j'étais sur un G27 depuis quelques années déjà. Waouh, la différence. Ah oui, il y a beaucoup trop d'informations d'un coup là. Mais c'est soirée découverte où je trouve que je m'en sors plutôt bien, même si à la première course je prends un drive-through dès le premier tour en voulant éviter Philippe Brigonnet, je crois. Et voilà, du coup, je fais mon drive-through et je repars dernier et je remonte jusqu'à la troisième place. Et course 2 où je me prends deux fois deux Porsche au bout de la ligne droite, de la première ligne droite. Le premier accrochage où ça va, j'arrive à garder ma position et à rester droit. Et la deuxième où je me fais complètement envoyer dans le décor. Et là, je détruis un peu mes pneus et après, j'essaye de revenir sur Ludo et Rémi devant avec Damien. Et puis après, déroulement de la course. Quoi. J'arrivais pas à revenir, mes pneus étaient morts. Et voilà, quoi, deuxième place, je suis assez content avec ça. Oh, t'as su être opportuniste et garder un rythme. Ouais, c'est ça. J'ai essayé d'être le plus régulier possible malgré la découverte du matériel. Plus que d'être rapide et je pense que ça va, je termine sur une assez bonne note, je trouve. Bon, ça a payé un classement quand même, hein, mine de rien, t'es deux fois sur top 3. C'est vrai, je vais pas m'en plaindre. Voilà, je pense qu'il y a pire, hein.
Ouais, c'est sûr. Après, normalement, je suis censé jouer au niveau de Ludo. Donc, à voir pour les prochaines courses, on verra. Le temps que je m'habitue à mon nouveau volant. Voilà, et puis regarde, il y a pire. Hein. Regarde, ton collègue Rémi, il a fait qu'une seule fois un podium là ce soir. Ah, Rémi. Je te préviens, je suis chaud ce soir. Hein. Si vous regardez les replays, on était chaud toute la soirée. Comment vas-tu, Rémi? Mais surtout, regardez-le, hein. L'écoutez pas, le replay, parce que là, là, mais là, 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 voilà. Quoi. Eh ben, ça va très bien. Une bonne première course. J'avais un setup qui, je pensais, me correspondait, mais au final, comme assez souvent, j'ai défoncé mes pneus. Donc, sur la fin, j'avais plus de pneus côté gauche. Donc, je sais même plus quel classement j'ai fait, mais j'ai eu pas mal de mal. Et puis, bah là, pendant l'entracte, on va dire. En parlant setup, je me suis rendu compte que mon setup était pas terrible. J'ai eu un nouveau setup. Et puis bah là, c'est la révélation. Pour une fois, je me bats avec les meilleurs. Donc ça fait très plaisir, une super bagarre. Surtout que Ludo dit qu'il n'en gardait pas sous son pied. Donc ça fait vraiment plaisir pour une première fois. Et puis bon bah voilà, comme j'étais vraiment fort à l'attaque, je défonce mes pneus, j'ai fini à zéro. Donc les 2-3 derniers tours, tête à queue sur tête à queue, parce que bah, c'était impossible à tenir, même en deuxième dans les virages. Tu l'as échappé bien, hein, parce que Steve y est remonté. Ah ouais, donc même en faisant attention, j'ai refait un tête à queue dans le dernier tour. Donc ouais, il devait être à 5 secondes, je crois. Dans le, ah oui, il a récupéré 25 secondes à peu près. Ouais, donc ouais, c'était chaud, mais content de ma course. Ah bah, une belle bataille que tu nous as offert avec Ludo. Ouais, très content. Et bah du coup, question traditionnelle, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, si ce n'est pas tous les trois, vous l'avez déjà eu au moins une fois depuis le début du championnat. On va commencer par Ludo, du coup, hein, un mot pour résumer la course. Je vais t'en donner deux, pour la course 1, un pour la course 1, un pour la course 2. Requête acceptée. Promenade pour la première et plaisir pour la deuxième. Je répondrai pas. Guillaume, tu as le droit à deux mots aussi, hein, du coup. Moi, ce sera juste matériel. D'accord. Matériel en deux mots. Mat et aériel. Ouais, on va dire ça comme ça. Rémi, du coup. Bah, moi, c'est un peu comme à chaque course, hein, c'est toujours pneu. Et là, je rajouterai setup. Pneu et setup, du coup. Ouais. Impeccable. En tout cas, messieurs, merci d'avoir participé à cette course, pour ce spectacle. Merci au Flat 6 pour ce championnat. Et puis, bah, du coup, je vais laisser mon collègue Hammer clôturer ce live. Je vais faire vite parce que la fatigue se fait extrêmement sentir. Du coup, bonne nuit. Non, je rigole. non, ben voilà. Deux courses relativement différentes. Une première course assez stable, on va dire, avec quelques duels par-ci par-là, mais relativement, comment on pourrait dire, plate, un peu. Plaisante, mais plate, quoi. Et pas de grand chamboulement. Une deuxième course, première course, pardon, un départ quand même très qualitatif, un super beau départ, très rapide, très impressionnant. Et le deuxième départ, en revanche, était vachement cool. Une grille inversée avec les plus rapides qui se sont retrouvés littéralement coincés dans le trafic, compacité, sur quasiment presque un tour complet. Ça a été très beau à voir la façon de se dépatouiller. Malheureusement, il y a eu un peu de relâchement, il y a eu énormément de cartons, pas mal de sorties. Il y a eu 4 abandons. Donc c'est quand même pas mal sur une course de fin de championnat où tout le monde a eu un peu l'habitude, surtout qu'on a noté, on a bien vu que tout le monde a eu l'habitude d'utiliser la voiture maintenant. Donc c'est vrai que c'était assez brouillon sur certaines choses. Mais en tout cas, une première moitié de deuxième course très très agréable à regarder, très spectaculaire. Notamment Ludovic Firui, je reviens sur la fin de la première course, qui a doublé, qui a feinté. Damien Pour, c'est ça ? Roux. Damien Roux, qui a feinté Damien Roux d'une façon spectaculaire. C'était vraiment très chouette à regarder. Et voilà, donc deux courses relativement différentes, plaisantes à regarder. Et du coup, on peut se dire à la semaine prochaine pour la finale, la grande finale, donc une course de 2 heures sur Magny-Cours. Où là, clairement, ça,
ça risque de chambouler pas mal de choses dans le classement, je pense. On risque de voir certains pilotes. En fait, ça va énormément se jouer à la stratégie, surtout, je pense. Donc, peut-être que certains pilotes qu'on a l'habitude de voir en milieu et tête de classement pourraient se retrouver facilement en milieu ou bas de classement. Ça peut arriver très vite, ce genre de choses. Donc, ça peut être très intéressant. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, dans la description du live, toutes les infos sur la course. Vous avez également sur la chaîne le lien du prochain live, donc le 28. Faut que je le réactualise parce que là actuellement il est noté le 27. Je me suis trompé, faut que je le note le 20, faut que je le refasse pour le mettre le 28. Mais donc à partir de demain ou après-demain, il y aura le bon lien pour la course. Donc dans la description, vous avez également le lien sur chaque pilote pour avoir les résultats de la course des courses précédentes avec les photos de leur livrée. Vous avez également sur le lien du site internet de la Flat 6 Team e-Racing les résultats des courses du championnat, des qualifs, des practices, etc. Et vous avez aussi les liens de la chaîne Twitch et de la page Facebook de Pumpkin qui retransmet les courses en direct sur Twitch. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà. Et on espérera que Pumpkin se soit bien reposé pour la prochaine course. je réponds plus de rien pour la finale. Ah, moi j'ai arrêté de répondre de quoi que ce soit depuis un moment déjà. Mais voilà, donc encore de très belles courses. Et puis du coup on vous dit à la prochaine. Je vous laisse avec l'affiche jusqu'à 23h50, on va dire, et puis on fermera le live à ce moment-là. Bonne soirée! Keeps us floating.
choppers, better cut those wrists. Call one of my fists, we fire starters. One of them a million.